Hello, bonsoir. Hello, bonsoir. C'est nul, pire intro. Je sais plus introduire. Bonsoir, comment ça va? Comment ça va, Cucu? Comment ça va, Osokar? Comment ça va, Mamie? Comment ça va, Nadine? Comment ça va, Sissi? Comment ça va, 7-7? Bienvenue. J'ai aussi lancé le live sur YouTube. Multiflux. Voilà, on est dans l'avenir. C'est génial. Oui, oui, ça va très bien. Non, en fait, je stresse. Je sais pas pourquoi je stresse, mais je stresse. Bref, ce soir, je ne suis pas toute seule. Je suis avec la plus belle, la magnifique, la fantastique, la mégabuleuse, la fantasmagorique. Mamie. Et moi. Hello. C'est moi. Ouais, mégabuleuse. Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ah bah ça commence bien. Merci, Missou. Coucou, Nadine. Bienvenue à tous. En fait, je vais vous mettre là parce que c'est mieux de lire ici que là. Voilà. C'était très intéressant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, Touram, c'est faux. Je suis perdue. J'ai pas assez d'écran, j'en ai trois. Merci Brézou. Merci, faites du bruit. Faites du bruit pour la promotion de Braise. Braise, elle passe son temps à être destituée, restituée, tout ça, voilà. Meilleur modo. Donc, je vais quand même foutre le live YouTube quelque part, là. Pour voir si les gens sont calmes. Bon, moi je vois les deux chats en soi, mais on sait jamais, vous voyez. On sait jamais ce qui peut se passer avec des petits plaisantins. Et sinon, Miss, Oscar et Mamie m'ont fait un super jingle pour les Sims 4 si jamais il s'avère que c'est de la merde. Ah mais attends. Ça me dit multistream, mais je ne vois pas ce que mettent les gens. D'accord. Ouais, il y avait comme titre sur YouTube Lulabi la suite, alors que j'avais changé. Et bon, tant pis, hein. J'ai pas tout compris encore, excusez-moi. Alors, on va mettre le son du jeu quand même. Voilà, parce que j'ai pas mis de musique, parce qu'à chaque fois on se tape des machins de droit, là. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Mais pourquoi ça me dit que c'est le multistream et je vois pas le stream de YouTube, là? Bon, après, c'est pas grave. Il y a juste mes modos qui font coucou. Coucou, mes modos. Voilà. Regardez le beau t-shirt. Ah oui, montre-nous ça. Je vous montre mon t-shirt qui est tellement grand. Vous voyez pas parce que je suis trop petite, mais il me fait une robe, les gars. Voilà. C'est sublime. J'adore. Voilà. Erkabro. Toi-même, tu sais. Kawaii. Merci, Oscar. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que cet add-on vous hype? Moi, je m'en carre la coquille. Voilà. Oh, il y a Golden. Mais Golden, t'es sur YouTube. Viens sur Twitch, wesh. C'est de la merde. Attendez, on n'a pas encore commencé. Non, 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 pas de mauvais esprit, les enfants. On reste calme. On va d'abord regarder, goûter, et ensuite seulement on pourra dire que c'est de la... Enfin, je veux dire, on pourra donner son avis, ok? Après seulement, on pourra dire préparer le sel. J'ai pas de sel, j'ai du poivre, ça suffira. Alors, est-ce que ça lag? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que vous arrivez à suivre? Je sais pas. Ça va, bon, il y a un petit retard, mais ça va. Il y a un petit retard. Bon, ouais, ça m'étonne pas, en même temps, il y a deux streams en même temps, là, donc... Bon, ouais, c'est peut-être que moi aussi, tu vois, ça dépend. Si c'est pas non plus un retard de 1000 ans, ça va.
Non, le ça va. Le t-shirt. Oui, le t-shirt. Attends. Je te le mets là, on voit mieux. Ah, j'ai le RK bro sur les boobs. C'est bon. Kawaii. Wesh, magnifique. Max. Bien ou bien? Alors, j'ai un petit sondage avant de commencer. Voilà, parce que c'est important. Merci, Miss, pour... Attends. Ah, merci, mon frère, pour l'abonnement. Je sais plus où je donne la tête, moi. Attends. Ah, mais non, c'est Miss qui donne des abonnements. Oui, c'est Miss qui donne des abonnements, comme merci, d'hab. Merci, Miss. Tout te calme, doudoune. Là, ça fait combien de mois, Miss? 13 mois. Ça fait un an. Bref, 18 mois. Je crois, mamie, que c'est toi la plus. Non, mais je suis pas réabonnée encore. Oh, c'est pas réabonnée. Non, j'avais plus de thunes. Vous allez décaler sur YouTube. Alors aussi, c'est que... En fait, le truc, c'est que ça me dit que... Ça me met le chat du multistream, sauf que j'ai que le chat de Twitch, visiblement. Donc, je sais pas ce que je dois paramétrer. Bon, du coup, j'ai foutu le chat de YouTube, là, mais c'est pas très pratique. Ah oui, alors, le sondage. Ah, il y a un sondage à faire. Je suis prête, j'ai ouvert la fenêtre, modérateur, je suis prête. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, mamie? Bah, t'as dit que je devais faire des efforts. Je fais des efforts. Hein. J'essaye d'être une bonne modo, tu vois. Je me dis, quand même. Ouais, bon, ok. Donc, le sondage, c'est est-ce que vous préférez cet affichage-là ou celui-ci? Voilà. Alors, j'aurais si ma souris fait... J'aurais une préférence pour celle-là, mais bon. Donc, du coup, le plein écran ou le bien rangé. Voilà. Tu pues okay. En tant que modo, Braise. Et Braise, tes nouvelles, alors t'écrases. Comment ça va, 7-7? Comment ça va, Nadine? Comment allez-vous? T'as vu, Max? Voilà, je suis convertie. J'ai une vipère qui fait de la trottinette sur mon torse. Voilà, c'est génial. Attends, le plein écran ou l'autre, c'est quoi l'autre? Le plein écran ou le bien rangé. Voilà. Le plein rangé. Écran. Bien rangé. Oh. Par contre, le... Bienvenu, nos sims sadiques. Le bien rangé avec une étoile. Attendez, parce que le... Je vais y arriver. Le sondage se fera sur Twitch, voilà. Je sais même pas si on peut faire des sondages sur YouTube. En même temps, YouTube, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là, les gars? Moi, je vous le dis. Viendez voilà. Sur Twitch. C'est bon, vous avez fait le sondage, mamie? Oui, oui. Très bien, vous êtes parfaite. Votez, les enfants. Donc, le bien rangé ici. En plus, on voit la petite chat box, n'est-ce pas? Ah, ça a l'air, par contre, de montrer les deux streams. J'ai l'impression. Sur mon live là, ça montre les deux streams, mais sur mon logiciel, ça montre qu'un stream. Je crois que j'ai pas encore tout compris, moi. Merci pour le vote. Rembourser mamie n'est pas mamie depuis quand elle bosse chez YouTube. No Lane sur Twitch. Ah, parfait. Ah, je... Coucou Sam. Je suis pleine de surprises quand même. Pleine de piments. Désolée, j'ai pensé à ça. Moi aussi. Après, sur YouTube, c'est mieux parce que vous pouvez régler la qualité, alors que sur Twitch, on va se faire foutre pour les petites co. Et ça, c'est chiant. Oui, je sais que tu l'as dit, Simet, mais du coup, comme tu l'as dit, je le répète comme ça, tout le monde le voit. Bon, c'est quoi le résultat du sondage? Ouais, d'accord. On est à 7 pour le bien rangé, donc on va rester comme ça. Moi, ça me va. Je préfère, en plus. Alors, bah, on va commencer la découverte de ce merveilleux Adam. Non, non, on commence pas, on commence pas. Dis pas de mauvais esprit. Dis pas mauvais esprit, d'abord. Alors... si jamais vous venez d'arriver, déjà, bienvenue. Sachez que moi, je suis pas du style à faire semblant si j'aime pas. Voilà. Donc, soyez pas surpris s'il y a un gros « c'est de la merde !» qui sort.
Parce que bah, c'est comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, on est donc dans la partie de l'Ulabi. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas live, là, je sais plus. Je sais plus comment on fait. Et ce qu'on va faire, c'est que... On va se faire une petite histoire pour l'occasion. C'est-à-dire qu'en fait, l'Ulabi va être invité chez sa cousine. Pour aller élever les mioches et les vaches et tout ça. Alors, on va lui mettre un petit million, histoire de pas être trop pauvre. Voilà. Voilà, donc elle va laisser Louis, Victoria et Gunther. Et puis, elle va y aller, quoi. Elle va aller faire la houla dans main, le nouveau... quoi. Ouais, voilà. Chouchou, il y a le train de la hype? Ouais. Oh, merci! Merci beaucoup, je l'ai même pas vu. Bah, merci à ceux qui ont fait le train de la hype. Qui c'est qui a fait le train? Bah, Miss, forcément! Elle a claqué sa toune! Kawaii! Mamie! Tu t'es abonnée? Ah non, c'est. Non, c'est Miss! C'est encore Miss! Mais Miss! Insupportable! Miss, il faut garder ton argent, tout ça. Bah, merci à tous pour le train de la hype, les gars! Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors je voulais. Je voulais relooker la gazelle, hein, parce que on va pas aller. On va pas aller. Voilà. On va pas aller à la campagne en bouseuse. Enfin, en pas bouseuse. Enfin, vous avez compris. J'ai le droit de dire que c'est des bouseux. Je viens de la campagne, ok? Bon. Tout à fait. Moi, quand j'étais petite, je dormais avec les vaches. Est-ce que vous dormiez avec les vaches? Non. Alors fermez-la. Ok, poulette, ok. Coucou, Dai Dai, comment tu vas? Oh là là. Moi, j'ai dormi avec des poulets une fois, ça compte? Une fois, bah moi, une fois, j'ai... Bah ouais, une fois, j'ai dormi avec des poulets, ça compte? Oui. Oui, mamie. Alors, à la campagne, alors je sens les trucs de grand-mère dégueulasses. Ah. Mais animaux, ça ne s'écrit pas comme ça, Oscar. Animaux, il n'y a pas de... Je sais pas pourquoi tu nous fous un E à chaque fois. Oscar. Parce que c'est Oscar. Il met des E là où il n'y en a pas. Il met des S là où il n'y a pas besoin. Il en met pas là où il y a besoin. C'est Oscar, c'est mon petit bouchon. Ça va et toi, Samantha? Quoi de neuf? Apprends, il y a un S, braise. Alors avant de donner des mots, des leçons de morale. Et le A, il y a un accent. Voilà. Alors, ce pull. Bon bah, c'est un pull, quoi. Allez, on va pas y passer trois plombes. Je sens qu'on va y passer. C'est bien rangé qu'a gagné, ma pute. Oui, oui, j'ai vu. Merci. J'ai une fois dormi avec un ton, mais c'était une fille, donc rien à voir. C'est pas très gentil, ça. Oh, Max, ça. J'espère que cette fille ne passera pas sur le live. J'espère aussi, parce que la pauvre dame... Ça, ça, moi, j'aime bien. J'aime bien aussi. En vrai, ça fait un peu cavalière. Oh non! Ou avec une petite jupe plissée, tu vois. Ouais, ouais, aussi. Alors, on appréciera le nœud collé. Oui, bah, ça... Mais pourquoi, là, tu sais, ils te font un beau nœud bien modélisé. Et là, oui, il est collé. Ils le font pas, ils le font pas derrière. Ouais, ben je sais pas. Bonsoir, mon sympa. Oui, le live vient de commencer. Bienvenue à toi. Ouais, ouais. Argent. Bref. Alors, ça. Bon, bah, ça, c'est tricot de grand-mère. Hein. Mais en fait, j'ai une question. C'est une vraie question. Pourquoi vous pensez que les gens qui vivent à la campagne savent pas s'habiller? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Enfin, moi, j'en ai rencontré beaucoup. Ah oui, il y en a. Je dis pas le contraire, mais... voilà, quoi. Bon, personnellement, je ne sais pas m'habiller. Mais je ne suis pas un exemple. Ça a l'air trop bien. Bah, on verra. Moi, je suis ni hype, ni pessimiste. Je suis juste, mais, comme d'habitude. Juste, ouais, bon, bah, c'est encore un nouveau truc des Sims, quoi. Ah d'ailleurs, petit tips les enfants, pour vous et vos amis. Alors attends, est-ce que c'est... C'est encore Miss, voilà, donc j'allais dire merci à Dai Dai. Merci Miss. Miss, elle va mettre tout le monde abonné là, elle a pas le temps. Hein. Ah non, elle a pas le temps. Petit tips, si vous avez pris votre jeu sur Instant Gaming ou sur un autre site comme Instant Gaming,
vous allez sûrement avoir deux codes en fait. Un pour le jeu et un pour les trois objets supplémentaires si vous l'achetez avant le 2 septembre. Voilà, faut mettre les deux parce que moi j'avais pas mis celui du jeu, j'avais mis juste les objets et j'étais là en mode mais pourquoi j'ai pas le jeu? Ça bug! C'est de la merde! Et en fait c'était ma faute. Voilà, voilà. Ils savent pas s'habiller, ils s'habillent confortable. Exactement! Pourquoi les belles fringues. Ah, ils s'habillent utiles surtout, hein. Moi j'ai l'impression que c'est voilà quoi. Pourquoi les belles fringues elles font mal? Mais ça, on a déjà vu ça. Ça, c'est moche par contre, en fait, depuis tout à l'heure, je. Oh, moi j'aime bien! Oh non, non, mais rien ne va. Mais ce jaune fluo, ces petites fleurs, la laine. Oui. Non, oui. Il y a un col par-dessus le pull. Rien oui. ne va. Oui, si, tout va bien. C'est affreux. Je vais te faire une mamie qui a du pep. Avec ça, tu vas voir, aux petits oignons, la mamie. Ah non, non, mais oui, bon, mais on bref, va pas, on va pas c'est faire gentil, que des... mais il faudrait peut-être arrêter un petit peu là, merci. De quoi? Non, 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 c'est rien, c'est juste Braise. Braise, tu vas vite dégager, hein. Ça, c'est, je sais pas, je suis sceptique du truc. J'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas, en fait. Oh. Moi j'aime bien, je pense qu'avec une jupe ou un truc, ça peut passer. Non, pas avec les cultures. Enfin, moi je suis pas motif en même temps. Il y en a qui adorent les motifs, je pense que pour eux c'est impeccable. Moi je suis plutôt quelqu'un de simple, donc du coup ça c'est trop surchargé pour moi déjà. Bah, on peut pas encore dire si c'est mauvais, Goldan, on vient de commencer. Là, on regarde les tenues. Oh, ça, c'est pareil, ça, c'est pas possible. Attends, c'est un pull, quoi. Oh, c'est un pull. Le pull moutarde. Ah, mais attends, mais il est plus long en bas que... Oh, attends, lève les bras, s'il te plaît. Lève les bras, t'as pas une petite pose, là. Oh. Ah. Mais ça doit être la mode. Ça doit être la mode. Mais qui a fait cette coupe? Oh, ok, on va passer à une autre tenue. Mais... Oh, les nibards que ça te fait! Oh non, 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 non. Déjà, là, des gros ins, alors là, laisse tomber. Mais oh, c'est joli. Parfait. Il est trop beau, le vert. Oh, j'adore. Il est super beau. Pour une fois qu'ils font un beau vert. Par contre, le moutarde... Je sais qu'il y en a plein qui aiment. Mais c'est pas possible. La moutarde, c'est dans l'assiette, pas sur un pull. Monsieur, ça passe. Oh non, c'est moche. En plus, les trois quarts du temps, votre moutarde, ça fait vieille moutarde périmée dégueulasse. Non, c'est non. Coucou mon frère, comment ça va? Après, sur une peau foncée, à la limite, ça peut passer. Mais oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est pas toujours... Enfin, ça dépend de la couleur de peau, quoi. Ouais. Ça peut passer. Mais sur les blancs, non. Non, c'est... non, mais sur le labi, excuse-moi, c'est bon. Enfin, c'est pas ça, va pas, quoi. Ma mère, elle adore la couleur moutarde. Et des fois, elle est contente avec ses pulls moutarde. Et moi, je suis là... Ah. Et elle sait que j'aime pas ça en plus. Donc une fois, elle s'était amusée en mettant, elle fait... T'as vu, j'ai mis le pull que tu préfères. Mais ta mère est une troll, dis donc. Bah, les chats font pas des chiens. Alors ça, mamie, je suis désolée, mais si t'aimes bien, moi, je démissionne. Non, 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 mais faut pas exagérer non plus. Même pour une grand-mère qui a du pep, ça passe pas, ça. Mais ma grand-mère, elle s'habille pas comme ça, wesh. Et ça, c'est quoi encore? Ouais, bon, ça passe. Ça passe, admettons, t'as un peu froid. Mais alors, pourquoi tu mets un pull et des manches courtes? C'est quoi le principe? Genre, bah, je sais pas si bah, par contre pour les agriculteurs, je sais que ça peut s'expliquer parce que souvent, tu sais, quand tu travailles le matin, t'as chaud en te déplaçant et tout, mais t'es pas forcément au chaud véritablement. Si tu te mets à bosser en t-shirt, et ben forcément au bout d'un moment, tu transpires tout ça et tout, c'est pas top. Mais il faudra bien que tu te couvres parce que sinon tu risques d'attraper froid.
Par contre, tu vois, si t'as un truc qui te recouvre au moins le torse, et ben t'as moins de chances d'attraper froid. Et du coup, tu peux bosser plus tranquillement. Mais bon, c'est vrai que c'est... Par contre, pour la mode, c'est pas idéal, quoi. Ouais, non, c'est... Mais... Mais encore une fois, c'est un côté pratique. Là, par contre, c'est justifié. Ouais, ok. Et ça, par contre, encore une fois... Putain, mais... Ah, mets ton pull dans ton froc, merde ! Excusez-moi. J'ai une code merde, donc j'ai pas le choix. Ah oui, c'est vrai que YouTube, c'est mieux sur... C'est mieux pour ceux qui ont des codes pas ouf, parce qu'ils peuvent régler sur YouTube, alors que sur Twitch, les gens peuvent régler que si vous êtes partenaire. Et je ne suis pas partenaire, j'ai pas la fame, hein... Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon bah c'est un pull. Mais... Ruru, t'as pas l'impression de gêner ? Non, ça va. Bon bah ça va, alors il a pas l'impression de gêner. En fait ça, j'étais en train de me dire c'est sympa, puis je l'ai mis, et en fait j'ai dit non. Si c'est sympa, mais ça va pas à lui l'habit du tout. Non, ça va pas, ça lui va pas du tout. Et puis c'est neuneux là, c'est pas possible ça. Ah mais moi j'adore les neuneux. Tu plaisantes ou quoi? J'adore les neuneux. Oui, on sait que t'aimes Oscar, mais quand même. Non. C'est pas sympa pour mon Oscar. Je t'aime Oscar. Ah. Oh mon dieu, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Bon bah, c'est tout. Ok. On va passer au pantalon, hein. On va passer au pantalon. Ah, elle est mignonne cette jupe. Mais je crois qu'on l'a déjà en 8000 exemplaires. Ouais. Un short, enfin. Bon, il est pas foufou. Oh, ça va. Oh, il a des couleurs sympas. Bah écoutez, serais-je satisfaite pour une fois? Peut-être. Bon, satisfaite oui. D'un short. Hein. Coucou Marvin! Bah écoute, c'est déjà bien parce que je sais que les shorts t'aiment ça. Et ouais, ouais. Une fois qu'il y en a un qui te plaît. Et il y en a un autre là qui est mignon aussi, qui ressemble beaucoup à un qu'on a déjà. Bah, oh! Oui, bon, c'est le premier coloris, Chouquette. Je sais, c'est pas possible, les motifs. Bon, ça va, il y en a des unis. Ça va, il est mignon aussi. Ça ouais, va, ça en va. Uni, il passe très bien. Ouais, moi, ouais. Je trouve qu'il fait même un peu classe. Tu vois, ouais. Tu viens avec un petit haut classe. Ça ouais, peut être il cool. Est, hein. Il est joli, il est joli. Cette jupe-là aussi. Ça va, ça va. On n'est pas trop... bon. Oui, bon, bah ça, c'est Jeanne Ernestine, pardon, on va chercher les œufs dans le poulailler, mais bah, c'est dans le thème, quoi. Oh my god. Attention, il ne faut pas montrer mes mollets, je ne suis pas une dévergondée. Excusez-moi. Le chat, pas le même sur... Bah, en fait, il y a un truc où c'est écrit multi-stream sur mon Streamlabs. Parce que je vois que les trucs de Twitch. Et pour YouTube, je suis obligée de regarder sur YouTube. Je suis pas compris. Mais apparemment, vous voyez tout sur le direct. Donc, tant mieux. Voilà. Ce pantalon est dégueulasse. Elle a chié dedans. Ça se passe comment? Oh non, non. Ne sors pas les excuses de ma génération, s'il te plaît. Mais j'aimais déjà Loupie. Pas ça quand j'avais 10 ans. Un noir à la limite. C'est vraiment si j'ai plus rien dans le placard, quoi. Non, ça, c'est pas possible. Non, c'est très large. Mais tu sais, moi, je le vois bien en pantalon pour traîner chez toi, là. Tu sais, t'as pas envie de te fringuer. Tu mets les fringues les plus larges possibles. Ouais, bah, tu te fous en slip, voilà. Non, mais toi, tu te fous en slip. Moi, j'aime pas être en slip. Moi, j'aime bien être habillée. Surtout si ça sonne à la porte, au moins j'ai un truc sur le dos. Oh, mais si tu sors, si ça sonne, et ben au moins le livreur est content, voilà. Ça va, Kiki? Ça, c'est... Ouais, bon, bah, voilà. Bon, oh, j'aime bien. Oui, ça peut passer, selon avec ce que tu l'accordes. Ouais. Ouais. Admettons. Sans plus de mais, voilà.
à des petites fleurs hein, parce qu'on est à la campagne. Oui, c'est normal. Oh là tu là. T'attendais à quoi? Ah bah c'est sûr, hein, des confits à la campagne. Mais j'adore. Excuse-moi Kiki, je t'avais pas vu, tu vas bien. Oh mais c'est moche, mais rien ne va. Mais à c'est l'aide. Sublime, tout va. Ah moche. C'est incroyable. C'est un nom. Voilà, c'est un nom mais négatif. Oh Ah ah non, mais il n'y a pas Uni. Ah, oh, c'est Uni. Y a Uni. Il y a Uni. Non, il n'y a pas. Oh. Ah non, mais c'est nul. Putain, il aurait été tellement bien en Uni. Oui, il est beau. Oh non, les motifs gâchent tellement tout, là. Oh, je suis déçue. Oh, j'ai envie de pleurer. Oh, ça mériterait même le jingle, tu vois, là. Ah, oui, on va mettre le jingle, les enfants. Bon, je pensais l'attendre. Je pensais surtout le mettre pour le gameplay, peut-être. Pour le gameplay, mais là, je pense qu'on peut le mettre un peu... Voilà. Donc, c'est Mamie, Oscar et Miss qui me l'ont fait. Vous êtes prêts? C'est parti, ça dure 8 secondes. Les Sims 4, oui, c'est vraiment de la merde, de la merde. Oui, c'est vraiment voilà. De la merde, les Sims 4. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, si c'était assez fort. De toute façon, il reviendra. Merci, merci, Nono. Bienvenue à toi. Merci de te réabonner avec Prime. Voilà, un bel accent. Non, par contre, les gants, voilà, ça dégage. Alors... Vous sentez la bonne odeur de la petite maison dans la prairie? Allez! C'est trop moche! Ah, moi, je l'ai vu tout à l'heure. Je me suis dit que j'allais faire forcément. Je vais faire la maman Ingalls! C'est obligé que non. Je vais la faire à un moment ou à un autre. C'est pas assez long, regarde. On va leur moller les gourgandines, là. C'est vrai. Je vais aller couper du bois. GTFA au téléphone, ils veulent le jingle. Non, c'est à moi, copyright. Ah, mon Dieu, c'est moche. Oh, mais rien ne va. Ah, par contre, ils ont bien modulé, là. Le nene et tout, là, il y a le budget, hein. Pour un truc moche, il y a le budget. Oh my god. Ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je me tâte. On dirait à moitié une robe de soirée et à moitié une robe de chambre. Moi, je dirais que c'est une robe de nuit. Ça, c'est pour aller dormir, non? Enfin, moi, c'est comme ça que je le mettrais. Hein. En bleu, avec les fleurs blanches, ça fait hosto. Hein. Les Sims 4, c'est vraiment de la merde. Voilà, vous pouvez tous chanter en chœur. Non, mais même à la campagne, ils ont fait ça. C'est moche, il n'y a pas Uni. Ouais. Alors... Si, il y a Uni, mais c'est... Ouais. Non, là, il parlait de l'autre robe, la première. Ah, ça, l'autre c'est... Robe. Bon, bah voilà, quoi, c'est une combi, mais... Merde. Ah, ça, c'est la mode, ça, par contre. J'en ai déjà vu plein. Personnellement, j'espère que c'est confort. J'espère que c'est confort parce que c'est pas beau. Voilà. T'as pas une tenue de nonne. Ah. Allez, on reprend. Tout le monde en cœur. Ta na 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 ta la la la. Oh là là là. Oh là là. Oh, non, mais j'ai l'impression qu'on pourra faire une petite ménagère des années 50 en fait. Ouais. Bon, ça va, après elle est pas moche, hein, mais bon. Non, c'est pas moche, mais je veux dire, c'est pas. Bon, alors ça, c'est Martine à la ferme, hein, voilà, elle vend ses légumes, elle nourrit ses poules, ouais. Ça, c'est pratique, à la limite, je peux comprendre. Alors, j'aime pas spécialement les motifs, mais j'aime bien parce que c'est un peu transparent, là. Enfin, oui, moi aussi, j'aime bien cette robe ça aussi. Ça fait un peu festif, j'aime bien.
Torian en bleu pour faire la reine des neiges. Ben voilà. Libéré! Oh, les étoiles! Et c'est sympa, ça fait un peu sorcière. Ouais. Avec la lune et les étoiles. L'habit habillé en prude. Allez, non mais attends, on va lui mettre le col roulé et tout, là, ça va être sympa. Louis, il va plus la reconnaître, il va plus en vouloir quand on va revenir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les cerises. Y a pas des... Je sais à quoi tu penses. Ils sont là, mamie. Ils sont là, mes citrons. Oui, tes citrons sont là. Loupi, tes citrons. Bon bah j'ai trouvé la robe qu'on allait lui mettre, hein, voilà. Bah ouais, il faut la robe citron. Ah bah forcément, est-ce que Golden est encore là? S'il vous plaît, faites-lui un screen. Miss, faites-lui un screen. J'en fais plus. Oh là là, mais ça va me suivre jusqu'au bout cette histoire. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'est la poubelle? C'est la robe de chambre? C'est quoi? Je comprends pas! Le haut est bien fait, le bas c'est un sac à patates! Ah! Là, tout va bien. Là, respire. Inspire, expire. Ah, inspire, expire. Regarde, il y a un petit renard trop mignon. Bisous, oui. Sam, merci d'être passé. Gros bisous. Oh, il est trop chou, le petit renard. Bon, voilà quoi. Oh, c'est joli cette couleur. Oh, il y a un renard derrière. Oh, ok, je me calme. Ok. Et ça, encore une fois, je suis perplexe de la coupe, en fait. Il n'y a pas uni, sérieux, on est obligé de se taper à chaque fois des vieux motifs avec des fleurs dégueulasses. Je le mettrai pas, mais j'aime bien, tu vois. Sur une mamie, ça passe en fait. Enfin, je veux dire. C'est pas censuré par Twitch ce genre de voix mélodieuse. Eh bien, non. C'est censuré par mon suppresseur de bruit, mais je l'ai désactivé. Ça, c'est pas ouf. Hein. Oh là là, rien ne va. Ah, j'aime pas. Alors, en fait, j'aime pas parce que déjà, pourquoi tu mets des manches longues avec une jupe ras la moule? Ça n'a aucune putain de forme. Et puis ça, là, c'est quoi ce principe du col chelou dégueulasse par-dessus les bretelles? Je ne comprends pas. Magnifique. Suivant. Incroyable. Ah, c'est des nouveautés. Ah, c'est la robe de Sunflower. Non. Mais si. N'insulte pas Sun, s'il mais te plaît. Mais c'est un tournesol. Oui, bah, c'est pas parce que c'est un tournesol que c'est la robe de Sun, s'il te plaît. Mais moi, je l'aime bien. Non, c'est moche. Non. Non, j'aime bien. Non, c'est moche. J'aime bien. Je te dis que c'est moche. Mais j'aime bien, regarde, il y a des paillettes et tout. C'est mignon. Non, c'est moche. Mais tais-toi, t'as pas de goût. Oh. Alors, le tailleur. C'est moche. C'est moche. Ça, c'est... Ouais. Ah, pour mamie, encore une fois. Quoi. Ouais, voilà. Et ça... Ah, ça, c'est sympa pour... l'école. Yeah. Ouais. Ouais, enfin, moi, je trouve ça moyen, mais bon, ça passe. Non, mais si, pour une école de pécor, enfin, tu vois. Oui, bah voilà, oui. J'ai oublié de préciser. Une école privée de pécor. Si, ça passe, ça passe. Oh! Alors, la chemise de nuit de chambre d'hôpital. Ça, c'est à moi, ça. Le retour. Ça, c'est mon style, ça. Ah ouais. Tu te souviens de mes vieilles robes? Avec une petite culotte en papier, vous êtes prêts pour aller au bloc, les mecs. C'est perfect. Du coup, on va mettre les citrons. Hein, on va mettre les citrons. Oui, on va ouais, mettre... on met les citrons. Oh, il y a plein de chaussures. Je crois qu'il y avait la jolie petite robe qui faisait un peu habillée aussi que tu aurais pu mettre. Non, les citrons. Les citrons, j'ai rien dit, excusez-moi. Pardon, je me suis laissée emporter, je ne sais pas pourquoi.
Tu comprends, campagne égale fleur. Ouais, non, mais c'est ça. Elles sont mignonnes, ces petites chaussures. Mais bon, ouais, j'aime bien. C'est tout ce que j'aime, c'est des escarpins à bourron. Moi, il m'en faut pas beaucoup plus, hein, voilà. Si vous voulez me faire plaisir, des escarpins à bourron avec un talon pas trop fin, et voilà, je suis contente. Ça, par contre, c'est bizarre. Ça fait un tout petit pied. J'aime les petits pieds, mais là, je sais pas, on dirait... je sais pas. Bah, j'ai du mal à voir parce que c'est tout petit pour moi. Si j'agrandis, attends, je vais agrandir juste 2 minutes. Je sais pas, ça me choque. Il y a des cygnes et il y a des canards, mais on peut rien en faire, voilà. Ouais, bon, ça va, ça passe. Et puis ça a l'air relativement modélisé à peu près, je sais pas trop, un petit peu. Ah, les chaussures de Josiane. C'est important. Josiane aussi a besoin de chaussures. Ah, et puis là, c'est Josiane version rock. Et ben, Josiane qui aime le hard rock a aussi besoin de chaussures. Bisous 77, merci d'être passé. Bah, les voilà, les bottes, regarde. Ça, c'est les bottes pour le jardinage, comme avait maman, c'est parfait. Voilà. Et ça, c'est les bottes de pluie, parce que forcément, à la campagne, il pleut. Putain, ah oui. Je suis désolée, j'ai cru qu'il y avait un signe qu'il fallait pas sur ces bottes-là, rouge, noir, blanc. Mon cerveau a fait un tour. Voilà. Aïe, aïe, aïe. On lui met les bottes, évidemment. Non. Bah si, ça va avec la robe. Faisant une Marie-Jo. Alors, ça, ouais, bon, d'accord. Ouais. Ça va. Mais ça, j'ai l'impression qu'on en a déjà 15 exemplaires. Non, moi, je vais mettre les petits souliers trop mignons. Mettre les bottes. Non. Les bottes. Non. D'accord, pas les bottes, alors. Voilà. Canard et lama, je veux ce pack. Bah, prends-le, hein, écoute. Bon, par contre, on va enlever le féminin, là. Il y a peut-être des trucs de mec aussi. Je fais vraiment tout à l'arrache, en fait. Attendez, il faut lui mettre le petit bracelet fleurs parce qu'on va à la campagne, quand même. C'est logique. Qui n'a pas son bracelet fleurs quand il est à la campagne? Moi, je vous le dis, c'est direct l'accessoire que j'enfile. Sinon, les gens, ils me reconnaissent pas. Ah bah oui. Oh, 6 mètres, c'est pour toi. Les boucles d'oreilles, Lama. Les boucles d'oreilles, Jackie. Elles sont trop... Ah bah, c'est obligé. Elles sont trop... Va falloir lui mettre à 6 mètres. Ah bah hein, oui, j'irai lui mettre... Ah, alors, carrément. Les boucles d'oreilles avec des fleurs. Les boucles, Jackie. Les boucles d'oreilles avec des fraises. Il n'y a pas des citrons. Qui n'a pas ses boucles d'oreilles avec des fraises quand il part à la campagne? C'est pareil, accessoire indispensable, les gars. Si vous ne portez pas vos boucles d'oreilles avec des fraises, c'est simple, on va vous mettre à la porte du village. Bah oui. Vous ne rentrez pas. La tradition, les gars. À un moment donné, il faut respecter. Hein. Oh, c'est ça. Hein, faut quand même... Il y a un proverbe qui dit à Rome, on fait comme les Romains. À la campagne, on fait comme les campagnards. Alors, je sais que ce genre de lunettes, c'est la mode. Ce genre de forme. Ah, je sais. Avec ce genre de teinte, mais je trouve ça... J'aime pas du tout, moi, ce côté trop octogonal. Oui, c'est ça. Je j'aime pas, mais parce que peut-être ça choque mon côté esthétique, j'en sais rien. Non, mais moi j'aime pas. Je suis pas fan. Oh, je suis pas fan non plus. Des perles. Important, les perles. Les perles de mémé. Bah attends, surtout pour mamie Germaine que je compte faire. Je vais vous mitonner une petite mamie Germaine, je vous le dis. Le moutarde sera sa couleur et les perles seront son collier. Non. Oh, si, bah, si, si, si. Mais il y a déjà. Si, si, puis elle aura un petit chien. Y a déjà elle aura un petit chien, un caniche. Non, mais ça va, on a assez de mamies comme ça. Oh mon non, Dieu. Non, si. L'enfouille. Non. Si. Non. Pas grave, je la donnerai à 6 mètres. D'accord.
Hein. Bon, bah, c'est un bonnet, quoi. Et le chapeau de paille. Ah, bah oui, on va lui mettre le chapeau de paille, hein. Oh my god, oh my god. Merde, je suis trop con. J'aurais dû lui faire une autre tenue. Parce que du coup, maintenant, ça va sauvegarder cette merde. Bon, bah, tant pis. Non, pas le chapeau. T'es sûr? Oui. Parce que celui avec les fleurs, là, c'est... Non. Il avait l'air tellement classe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est la coupe de la dentelle, ça, non? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de texturer leurs cheveux. Oh, c'est pas si mal, j'aime bien, moi. Bah, c'est pas... C'est... Oui, c'est pas si mal, mais... Ça jure vachement avec le reste des coupes, du coup. Ah bah ça, c'est un autre problème. C'est super bien texturé, genre il y a des petits cheveux partout, machin. Et à côté, t'as la pâte à pain, là, des autres coiffures. C'est quand qu'ils sont logiques dans leur... Bon bref, je vais arrêter de chercher. Alors oui, bon... Ils s'améliorent, ils s'améliorent. On va pas les critiquer parce qu'ils s'améliorent. Mais quand regarde, même. Ils l'ont même pas fait sur toutes les coiffures. Bien sûr que non. Mais ils s'améliorent sur certaines choses. Ah, mais elle est sympa, cette coupe, en fait. Oui, elle est sympa. Ouais, ça va. Avec le petit nœud derrière. Oh, elle est jolie. Oh, elle est trop mignonne. Vous trouvez pas l'impression qu'elle a... Elle a à nouveau 20 ans. Et ouais, j'adore cette coupe. Et s'y mettre Jackie, 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 Jackie. Ouais, je sais, s'y mettre, elle est restée bloquée sur le Jackie. Excusez-moi, je vous lis pas trop, les gars. C'est pour le mariage, le chapeau avec la fleur. Bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. ça. Oui. Kawaii. Mais c'est pas possible, Miss, tu te calmes. Merci beaucoup. Mais t'as offert combien de... Il y a quelqu'un qui s'appelle Psy-Concombre. Je ne sais pas qui tu es, mais dis-nous bonjour, s'il te plaît. Bien, oui. Merci beaucoup, Miss, pour les 70 milliards d'abonnements, là. Tu vas peut-être te calmer à un moment donné, non? J'aime bien Psy-Concombre. Mais moi aussi, j'aime bien, mais je veux... Incroyable. Mais parle-nous, Psy-Concombre. Enfin, parle-nous, écris-nous. Ah, ça, c'est... Oui. C'est moche, voilà. De quoi? Bah, ça. Les petites nattes, là, moi, je trouve que ça allait bien au bambin, justement. Ah oui, ouais. Ou peut-être à quelqu'un de noir. Mais alors, Lulabi... Ah non, mais à Lulabi, ça va pas du tout, c'est très laid. Ah, heureusement que j'ai encore l'abonnement, là, pour cacher ça, mais... C'était très... Ça, c'est particulier, par contre. Hein. Black Koopa, c'est particulier. Ah oui, non, pourquoi? Pourquoi? Quel est le concept? Miss, elle est énervée, ouais. Oh, elle est fin énervée! C'est moche. Ça, c'était fait. ça, ouais, ouais. On avait déjà un peu du style. Bon, c'est pas plus mal qu'ils rajoutent des coupes courtes. Par contre, je suis pas fan. Hein. Et ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, on dirait moi qui me suis moi-même coupé les cheveux. Mais voir de plus près, c'est... Ouais. Arrête de bouger, grognasse! Oh non, mais rien ne va, rien ne va. On n'a pas le temps, hein, on prend un ciseau. Allez, allez. Oh bah, je me coupe les cheveux avant d'aller traire les vaches, là. Pas le temps, mais... Ok. Bah, c'est ça. Alors, voici la coupe oreille de coquère, n'est-ce pas? J'adore cette coupe. Avec son bol. J'adore cette coupe. Oui, ça fait très Lady le clochard, mais pourquoi pas... La Belle et le clochard, voilà, bon. Non, en vrai, ça va. Ça ne va pas à Lulabi, ça lui fait juste un casque. Mais je pense que je la réutiliserai, celle-là. Et le petit bandeau. Ok, ah, c'est un... Ok, d'accord. Oh non, mais... Na 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 na. Oh, j'aime bien. Miss, te fais pas chier avec ça. Il y a des commandes, choupette. Je te les ai mises dans le staff du Discord.
Comme ça, le bot, il les balance tout seul comme un grand. Te fais pas chier avec les liens. Ouais, bon, bah voilà, la petite maison dans ta mère, hein. Et puis là, la petite maison dans ta mère, carré. Important. Bon, moi, je vais lui mettre celle-là. Voilà. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. M'étonne. Eh, mais faut pas qu'elle retourne voir Louis, hein. Il va lui sauter dessus, hein. Oh, faut pas qu'elle croise Ileas, hein. Ah non, 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 pas Ileas. Je sais pas pourquoi, je suis sûre qu'on va le voir. Non, on va pas le voir, on va aller à la campagne, c'est bon. Mais Ileas et la campagne, là. Ça fait 10. Il sera là, c'est obligé, bon. Non, il sera pas là, arrête, tu vas nous porter il malheur. Il sera là, je te dis. Du coup, vous inquiétez pas, on va voir les enfants vite fait et puis les traits et tout ça. Mais je voulais déjà valider Lulabi. Si, si, il sera là, c'est obligé. Bon. Bien, je vous laisse la pause pour vous hydrater. Parce que c'est important de s'hydrater. Profitons de ce moment de pause pour boire un petit peu. Mmh. Il est important, les enfants, de boire. Car vous savez, votre cerveau a besoin d'eau. Votre corps également. Et si vous ne buvez pas assez en période de forte chaleur, vous risquez la migraine. Tout à fait, José. Merci. voilà, fais-lui une gosse, là, et puis fais-lui un autre gosse. Fais un gosse avec ta gosse. Femelle, tu me dégoûtes. Surtout par cette chaleur. Alors, du coup. Roberto, là. Les cheveux de Roberto. Ah, mais il y a des barbes. Ah, super. C'était vraiment nécessaire. Oui. Miss, tu vas pouvoir faire Ileas. Oui. Oui, Miss. Voilà, c'est juste le point positif du truc. Aïe, aïe, aïe. Alors, en rouge, ça passe pas bien, mais en noir, ça passait bien l'autre barbe, hein, je précise. Ça faisait un petit peu poivre et sel, ça peut être sympa. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Et ça? Il y a que ça pour les mecs! Oh, mais c'est nul. Regarde, elles sont moches en plus. Bah, tu sais, si tu rajoutes les coupes des filles, il y a quand même des coupes qui peuvent s'adapter, je ouais, pense. Bah attends, on va pas lui mettre la tête de cocker, là. Tu veux qu'on lui mette cette merde? Non! Non, mais la coupe! Mais ça va la trop coupe, bien! La coupe! Putain! Mais qu'est-ce que tu fais? Luffy, qu'est-ce que tu fais? C'est parfait! Oui! Oh là 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 là! De nous faire souffrir comme ça, Luffy, pourquoi tu nous fais ça? Ah, c'est parfait! Regardez comme il est beau avec sa grosse barbe et ses petites couettes! Avec le chapeau, attends. La coupe avec le chapeau, ouais. Mais elle est où? Elle y est pas. Ah non, on peut peut-être pas la mettre. Oh mon dieu, qu'il est beau. Franchement, le truc serait noir, ça ferait un biker.
Mais, oh, mais carrément. T'as ri, mamie, ou pas? Parce que je me suis... Oui, j'ai... Non, mais j'ai rigolé. Mais ça a coupé ton rire. Oui, ça a coupé parce que je suis montée trop dans les aigus, je pense. Putain, on peut même plus rire entre potes, merde. Ah la vache, excusez-moi là. Attendez. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que t'as encore essayé, putain, comme je suis en retard. Oh. Ah, c'est parfait, il reste comme ça. J'ai bien fait de te conseiller les coupes féminines, putain, je regrette pas. Ah, j'ai mal au bide. Aïe, 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 j'ai un point de côté. Il est magnifique. Il est magnifique. Splendide, splendide. Aïe, aïe, aïe. Pauvre homme. Mais pourquoi là il y a la coupe de la grognasse et pas et pas avec le chapeau? Je sais pas, elles se sont peut-être dit que là, c'était peut-être trop poussé. C'est pas juste. Les hommes aussi ont le droit d'avoir des chapeaux, hein. Tu m'étonnes. J'arrête, c'est j'arrête. Insulte pas, j'arrête, toi. Il est ouf. Respirez, madame. Non. Je veux mourir de rire. Bon, allez, ça suffit, les conneries. Avec tes couettes, Loupi. Aïe. Oh, putain. Oh, putain. J'en peux plus de toi, sérieusement. Il est bientôt 22h, on n'a toujours pas fini le casse, il nous reste le mode construit et le gameplay. Ouais, faudra peut-être accélérer les choses. Allez, Maloupi. Oh non, mais attends. Non, je vais lui mettre celle-là. Ça a planté. Non, tu vas pas lui laisser les couettes. Ça a planté, ça va me cracher à la gueule. Oh putain. Le jeu, il m'a dit stop, arrête de faire ta merde. Tu m'étonnes. Oh putain. Ah c'est bon. Ah, oh, quel bel homme. Je sais pas, vous préférez quoi dans le chat? Les boucles ou les couettes? Franchement là... Moi j'avais une petite préférence, je t'avoue. Pour la coupe longue façon cocker avec la barbe. J'avoue que j'ai adoré ce style et c'est vrai que c'était oui, chouette. Mais c'est pas dans les choix. Ok, bon, bah les couettes alors. Les couettes là. Putain, mais ça pince. Aïe. Ah, saloperie de Samir. Pardon. Bon, bref. Excusez-moi pour cette petite interruption. T'es pas sérieuse, mamie, hein. Franchement. Bon alors. C'est pas de ma faute. Enfin si, mais pas trop. Ouais. Non mais comment je le prends au sérieux avec sa gueule de con? Ah oui, bah justement, c'est pour ça que je te dis qu'il faut mettre une coupe plus neutre là, tu vas pas réussir à te concentrer. Mais si, on l'avait déjà ce t-shirt là. Non. Bah on avait un truc qui ressemble. Oui, on a des trucs qui ressemblent. Oui. Non. Oui. Ceci dit, je trouve ça plus soft pour les hommes que pour les femmes. On a quand même des trucs qui sont métables. Oh, des renards. Mais qui met ça? Oh. Le moutarde avec les renards, c'est parfait. C'est parfait, c'est incroyable. Yeah. Oh mon chat. C'est ce qu'un mec doit mettre pour te séduire, Loupi. Arrête de me faire rire, j'attrape un bébé. Qu'est-ce que t'as, bébé? Tu es malheureux? Oh. Il a l'air malheureux. Mais oui, il est... Pauvre bête. Tu veux venir là devant?
Qu'est-ce que tu lui as fait? Bah rien, il a miaulé, donc je l'ai pris. Pauvre animal. Ah, génial, ça. Bah oui, mais tu me fais pleurer de rire, du coup, ça me fait moucher, voilà. Oui, évidemment. C'est moi qui te fais pleurer de rire, évidemment. C'est pas du tout toi en mettant une coupe de schmouf sur le bonhomme. Oh non. Ah, c'est pas fameux, les trucs pour mec, hein. C'est pas moche, oh. C'est pas non plus beau, c'est juste mais... Oh, le retour des fleurs. Ah, c'est important de mettre des fleurs. On est à la campagne, je te rappelle. Et je rappelle que le dress code impose des fleurs. Mais eux, tu vois, ils ont au moins une chemise unie, quoi. Mmh. Ah. Ouais, bon, bah, ça casse pas trois pattes. Hein. Je dirais même plus, ça casse pas. Voilà. Ah, il y a que deux pantalons. Mais ils sont moches. Mais... Zem, il passe. Celui-là, il passe, le plus court, là. Mais ils sont moches. Non, le deuxième, il passe. Un petit jean. Mais moi, je veux pas d'un truc qui passe, je veux un truc beau. Mon amour. On ne peut pas tout avoir, ok? Oui, bah, n'a jamais rien dans jeu de merde! Attendez! Jingle! C'est important, je méfie fort cette fois. Ah, ça y est, j'ai plus de voix. Merde, c'était pas le bon, voilà. Les Sims 4! Oui, c'est vraiment de la merde, de la merde! Oui, c'est vraiment de la merde, les Sims 4! Voilà. Ok, les chaussures, il y en a trois, super. Et alors les tenues machin. Les Sims 4, c'était vraiment de la merde. C'est pas beau à parler, couette. On dirait les pulls que tricote la mère de Ron. Oui, mais oui, c'est ça. C'est les vieux pulls de merde. Alors. Je nuancerais. Coucou Sissi, bienvenue à toi sur le live. C'est les vieux pulls de merde de campagnard. Eh oh. Et nuancé. Mais j'avais pas ce genre de pull moi, hein, chez moi. Hein. Pourtant ma mère est tricotée. Elle faisait des écharpes, c'est tout. La mienne aussi est tricotée. Et il est vrai que je n'avais pas ce style de pull. C'est pas fou, hein. Bon, c'est pas moche. Non. Comme j'ai dit, les gars, c'est... Ouais. Voilà. La petite salopette là, c'est ce qu'on lui mettra. Hein. Dis-moi que c'est ce qu'on lui mettra. Salopette. Dans salopette, il y a pète. Ouais. Et il y a salope. Voilà. Ouais, ça c'est normal, ça c'est moi ça. Mais J'allais dire petite dédicace à Miss, mais bon. Ah oh, non, un peignoir. Magnifique. Voyez-vous, moi, Jean-Édouard Bertrand de la Dubonnière, j'ai besoin de mon peignoir pour aller devant la cheminée. Ouais, non, non, non. Non, non. Ah, même Jules, il mettrait pas ça, attends. Ah, bah non, il y a des petits carrés, c'est éco, c'est... Non, non, ça le fait pas du tout. Jules, il porte de la soie, s'il te plaît, ça, c'est trop bas de gamme. C'est pour les campagnards, très clair. Ah oui, pardon, si c'est moi. C'est le peignoir de celui qui veut faire croire qu'il est riche alors qu'il est pauvre, Nia. Ah c'est ça. C'est pour les campagnards qui n'ont pas un haut standing. Hein. C'est sûr que quand on habite à la campagne, comment voulez-vous qu'on puisse avoir un standing et un sens de la mode? Franchement, c'est impossible. On est entouré de vaches. On voit ça que... toute la journée, le on ne peut pas savoir ce qui est beau, quoi. Tout à fait, bienvenue, quoi. Je veux dire... Bon, allez, il va se calmer, Julud. Ça va et toi, Sim 7? On admire les... Voilà. Alors, nature, gardien de la campagne. Oh, merci beaucoup pour la bite. Merci. T'en fais zizir. Et mettez des cœurs là dans le chat, bande de sales radas. Mettez ah des oui, cœurs pour vrai. Miss, pour Sim 7, pour les gens qui donnent des choses là, qui donnent leur thune. On veut des cœurs pour la thune. Dépêchez-vous. Y a que un truc de plus.
Il n'y a qu'une aspiration de plus, c'est sérieux. Adore les animaux. J'adore les animaux. Il y a qu'une aspiration? Ouais. Et on sait qu'il y en avait plus. Et il y a qu'un trait? Mais c'est de la grosse merde. Ah, attendez. Excusez-moi. C'est pas normal que ça... Les Sims 4. Oui, c'est vraiment de la merde, de la merde. Oui, c'est vraiment de la merde, les Sims 4. Voilà, merci mes amis. Non, mais il n'y a vraiment qu'une inspiration et qu'un trait pour un add-on. Oui, mais vous coucou, comprenez... Coucou, Magnolia. Coucou, Manu, bien comment vu. Tu vas? Vous comprenez, c'est normal. On s'est concentré sur autre chose, notamment le fabuleux gameplay qu'on va vous offrir avec des vaches qui ne bougent pas et des lamas qui ne bougent pas. On pouvait pas tout faire, mettre d'autres aspirations, c'était vraiment galère. Oh là là. Non, tu es mauvaise langue, Loupi. Tu sais qu'on peut emmener les vaches. Ah oui, pardon. Quand même, hein, vous pouvez prendre les vaches dans vos poches, hein, c'est bien déjà. Au secours. Au secours. Vous allez bien? Ben, ça va très bien, et toi? Là, on s'enjaille. Ah oui, donc, ils sont pas fait chier, hein. Les coupes, c'est toutes les mêmes... Ouais. Voilà. Bon, bah, comme ça, y a pas de jaloux. Au moins, les enfants et les bambins ont des coiffures, donc on va pas trop se plaindre. C'est ça. J'ai envie de dire. Donc on ne dira rien, mais on n'en pense pas moins, par contre. Bah écoute, moi je me rappelle des premiers temps, là, quand les bambins, ils avaient toujours les mêmes coiffures, parce qu'on en avait que 6. Ouais. Voilà, quoi. Oh, c'est mignon avec le petit sac. Oh, les bébés. Il est temps que Louis et Lulabi aient un nouveau bébé pour avoir un bambin. Non, mais tu détestes les bambins, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais ceux de Louis et Lulabi, ils sont mignons. D'accord, ok. Eh ben, tu vois, ce petit haut-là avec les neuneux, ça va bien aux petits bambins, ça passe. C'est de leur âge. Moi, j'aime bien les petits neuneux. Si tu veux payer moins cher, tu vas sur Instant Gaming, il est à 25-27 euros. C'est déjà un peu mieux que 40. Et tu feras gaffe, t'auras deux codes. Un pour les trois objets en plus si tu le précommandes avant. Enfin, si tu l'achètes, pardon, avant le 1er septembre. Et un pour ton jeu. Faudra bien que tu rentres les deux dans. Mémodo, donnez le lien de Instant Gaming aux gens qui veulent parce que bah, on a le droit en fait. Voilà. Puis même si on n'avait pas le droit, est-ce qu'on s'en foutrait pas? Hein? Carrément! Est-ce qu'on est game changer? Non! Donc on s'en fout! Oh, le petit lapin! Ah, puis encore des fleurs, hein! Toujours des fleurs, toujours plus de fleurs! D'ailleurs, en parlant de fleurs, dites-moi qu'il y en a dans le mode construction, parce que sinon je fais un scandale! Je crois qu'il n'y en a pas en plus. Je n'en sais strictement rien, comme je t'ai dit, je me suis pas vraiment beaucoup spoil sur ça. Merci beaucoup, Suki. Comment tu vas? Merci. Comment ça, t'as pas eu le code? Bah, t'as été vérifié dans... Tu l'as préco sur Instant Gaming? Bah, vérifier, hein. Normalement, tu devrais l'avoir. C'est pas normal. Ou alors, peut-être que l'achat, c'est pas finalisé, mais... Ça, c'est dégueulasse. Pourquoi je reste dessus? Voilà, salopette. Attends. Mais... Oh, je sais pas si c'est mignon ou horrible ce truc. On dirait un short couche. Oh, la petite vache. On dirait une vache de Stardew Valley. C'est trop mignon. Voilà, excusez-moi. C'est juste que ça me fait penser à un jeu que j'aime bien. Et qui bug pas. Voilà, voilà. Les renards sont demandés à l'accueil, les renards. J'aime bien les petites fringues là pour les bambins et tout, je trouve ça trop mignon. Ouais, ça va, ça va. À part ce truc immonde, mais sinon ça va. Lequel? La combi. Comment tu mets ça un bambin déjà?
Puis ah après, bah, c'est super mignon. Ah oui, par contre, bah, il se fait dessus. Attends, c'est bon. Mais des couches, et puis voilà. Ah bah super. Bah attends. De toute façon, les bambins, faut les emmener sur le pot. Alors. Ouais, bah moi, les bambins, ils savent aller sur le pot tout seuls. Peut-être parce qu'ils y passent jour et nuit jusqu'à savoir. Mais ils savent. Merci, Sophie. Ça va. C'est bon. Ils crèvent la dalle. Ils sont crevés. Mais ils font arrête sur de le critiquer pot. Ma façon de jouer. Est-ce une critique? Oui. C'est une constatation. C'est une critique. Franchement, c'est pas une critique. Pas. Tu sais qu'il y a... C'est pas une critique. Tu sais qu'il y a vraiment des gens qui m'ont dit que je jouais comme une sale merde et que je devrais aller crever. Oh non. Ah, si. Oh mais les gens sont violents. Tu prends pas soin de tes Sims. Tu sais pas jouer. Je m'en fous en fait. Hey, ils sont toujours vivants, alors ferme ta gueule. C'est pas grave, Sims7. C'est justement parce que des fois, ça bug sur Twitch. Qu'on a mis sur YouTube pour que oui. Tout le monde puisse profiter. Comme ça, y a tu pas de souci. En fait, le truc, c'est que sur Twitch, si vous n'êtes pas partenaire, les gens peuvent pas régler la qualité du stream. Je ne sais pas pourquoi. Sur YouTube, vous pouvez. C'est pour ça que je fais sur les deux, comme ça. Déjà, bah, je peux. Hein, j'ai la copour, donc autant en profiter. Puis ça a l'air de bien se passer. Donc, oh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 2 euros. Les 2 euros, voilà. Les 2 euros, bah, ça fait des heureux. Ah, c'est mignon, ça. Vous êtes partie, mamie? Non, je suis pas partie. Ah, j'avais compris, je reviens. Non, j'ai dit de rien. Alléluia. Mais c'est pas toi, Grogna, c'est Sim7 qui me l'a donné. Ouais, je sais. La moula, regardez, il y a des champignons. Ouais, bon, ça va, c'est pas trop moche. Allez. On va peut-être accélérer, quand même. Hein. Il est beau, ce pull. Ouais. En vert, j'aime. Dommage qu'on l'ait pas pour les adultes. Je sais pas si ça irait pour les adultes. Genre pour les femmes, ça cacherait tout. Ce serait pas top. Mais il est très. Ouais, mais un pull d'hiver, c'est quand même sympathique, tu vois. Ah, j'aime beaucoup. Vous avez entendu, j'aime un truc. Ouais. Ouais, ouais. Oh, ouais, je suis mauvaise langue. Hein. Je suis mauvaise langue. Il y a quand même des trucs que j'aime bien. Hein. Non, il y a plein de trucs que t'aimes bien. Notamment la petite coupe de cheveux, tout ça et tout. Donc, non. Non, globalement, le cas, c'est pas mal. Hein. À part, je regrette juste qu'il y ait trop de motifs. Enfin, il n'y a pas assez de trucs unis pour les meufs. C'est surtout des fleurs, quoi. Donc, si t'aimes pas les fleurs... Ah, mais c'est quoi, ça? Ça va pas être possible. Hein. Bah, c'est très gentil, Sim7. Merci beaucoup à toi. Et ce... Encore des fleurs! Mais il n'y a même pas un petit pantalon pour les garçons. Enfin, tu me diras, ils peuvent toujours porter ça, mais c'est triste. Non, moi j'étais triste qu'il n'y ait pas un petit pantalon pour les garçons, un petit truc un peu plus. Mais bon. Bon, bah, c'est pas grave. Il y a quand même pas mal de choses. Et les hommes sont un peu plus fournis pour une fois. Mais ils avaient dit qu'il y aurait plus de trucs pour les mecs. On a fait le tour là ou on oublie quelque chose? Non, je crois qu'on a fait le tour, choupette. Hein. Puis si on oublie quelque chose, ils le découvriront hein, non plus. Ouais, voilà. Alors, je suis vraiment déçue par contre, c'est qu'une inspiration et qu'un trait. Alors tu sais, il aurait pu avoir le trait, je sais pas moi, Ilver, j'en sais rien. Ah non! Ah, il y a un intolérant au lactose! Ça aurait été mieux avec un seul trait, en fait. Quoi, ça change quoi, là? Il y a un trait intolérant au lactose, comme si les gens nous faisaient pas assez chier comme ça, en vrai, avec leur lactose. Faut qu'ils nous fassent chier dans les Sims aussi! Oh, j'ai envie de dire les pauvres, ceux qui sont intolérants au lactose, oui. En même temps, les pauvres. Mais bon, c'est vrai que dans un jeu, je sais pas trop. Après, ça peut rajouter du challenge, hein. Super, les challenges. Challenge. J'ai eu assez avec le sang bébé de mon cul. Donc, du coup, deux traits et un machin, c'est pas ouf quand même. Hein.
Bon, bref, on va quitter cette famille de l'enfer, puis on va aller avec Lulabi, Lulabi. Mais si, Miss, tu vas très bien. Je te fais un live, j'ai un t-shirt pour toi. Alors maintenant, t'es contente. Dis que ça va. La peau. Alors, voyons voir le monde. Bon, je l'avais déjà vu, hein. Bah, il est joli, hein. Alors, c'est combien les terrains qu'on rigole? 30 x 20. 30 x 20. 20 x 20. Ah, 50 x 40. 50 x 40. 30 x 20. 64, je suis là. Ouais, 64, 64. 30 x 20. 40 x 30. 30 x 20. Voilà. Et je comprends pas les 30 x 20 dans un truc où t'es censé faire des fermes. Je vais boire pour oublier. Mamie, tu t'es endormie? Non, non, non. Attendez! Non, je suis déçue parce que je pensais que les terrains seraient un petit peu plus grands pour qu'on puisse poser plus de vaches, tout ça et tout. Et... Il y a quand même quelques 40 x 50, mais bon. Attendez! Jingle! Ouais, enfin, il y en a deux! Attends, mamie, je mets le jingle. Non, il y en a 4, je crois. Les Sims 4! Oui, c'est vraiment de la merde, de la merde! Oui, c'est vraiment de la merde, les Sims 4! Voilà. Merci encore une fois. Ouais. Par contre, les gars, le décor, si ça veut bien arrêter de ramer. Grégoire! Merci. Le décor! Ils se sont pas foutus de notre gueule, par contre. Pas comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Heureusement qu'il y a ça, hein. Ouais, mais c'est très beau. C'est quand même le point fort des Sims 4. Bah, excuse-moi, il y a des trucs, c'est pas foufou, hein. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Fontaine, coq, déterminé. D'accord, génial. Je transpire du nez, c'est génial. Ok. La Sims 4. Oui, c'est vraiment de la merde, de la merde. Donc voilà, il y a des canards, des colverts, des cygnes. Ah, le croco. Lol. Pourquoi un croco? Mais il aurait passé quoi par la tête? Genre, allez, on va mettre un croco dans l'étang. Parce que aux États-Unis, t'as des étangs où il y a des alligators. C'est assez courant, toi, t'en as. Mais donc il y a pas d'arbre. Mais c'est vrai que chez nous les alligators tu les croises aux os quoi. Oh super. Ça va être incroyable ça. Loupi, c'est incroyable. Nous sommes d'accord, ça va décorer le jardin de ouf! Loupi! Je ne t'entends plus, chérie! J'essayais de faire le chip, mais je n'y arrive définitivement pas. Loupi! Oui? Ce buisson vache! Quand même! C'est une splendeur! Eh bien, écoutez, très cher, effectivement, l'esthétique de ce buisson est tout à fait... mirobolant. Et puis c'est vrai que les agriculteurs ont vraiment le temps de tailler leur haie de cette façon. Tout à fait. Pour harmoniser leur jardin, c'est tout à fait ce qu'il nous fallait, ce qu'on attendait dans un pack vie à la campagne. Bah, tout à fait. Mirifique. Tout à fait, très cher compère. Aïe aïe aïe. Est-ce que j'apprécie aussi ce... C'est que tout est à l'échelle. Voyez le lapin comme il est à l'échelle par rapport à la vache ainsi que la poule. Nous avons vraiment l'impression de nous retrouver face à des animaux de ferme. Hein. C'est exceptionnel. Voilà.
Là. Très cher, je pense que vous vous emballez légèrement. Il serait temps... Non, très cher, vous allez faire bugger votre jeu. Putain, mais... Attendez. Les Sims 4. Oui, c'est vraiment de la merde, de la merde. Oui, c'est vraiment de la merde, les Sims 4. Voilà. J'avais mis le jungle. Ok. Quoi, qu'est-ce qu'il aura servi, le jingle? Ah bah, hé. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Mais c'est vilain. Ah non, 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 non. C'est violet. Mais c'est il y a des fleurs, en fait. Ah, c'est des fleurs en dessous? Ouais, il y a des fleurs sous le... sous la... Mais les pierres sont magnifiques. Pourquoi ils nous ont mis ces fleurs dégueulasses? Si ah, encore... je sais pas. Ça me donne même des frissons parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est... On dirait de la peau. C'est... Ouais, c'est très bizarre comme... Je vais pas regarder. Ouais, non, désolée, je suis obligée de détourner. Je vais l'effacer pour les troupophobes, là. Voilà. C'est dérangeant. En vrai, il y aurait eu 2-3 fleurs ici et là. Ça coûte combien cette daube? Bah 40 euros. Quelle question. C'est moche. Désolée, hein, je suis désolée, mais là j'en avais des frissons. T'inquiète pas, je comprends. C'est une phobie. Y a pas de problème. Bon alors, voyons voir les chefs-d'œuvre. Ouais, super. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'aime bien ces portes. Oui, oui. Non. Oh, les petits renards! Non, ça va, ça va. Ah, on va pouvoir faire des petites maisons assez sympathiques, même. Même des maisons un peu féeriques. Ah, c'est marrant là, parce qu'il n'y a pas de fées. Oui, bon, on s'en fout. Mais par contre, la porte aussi, là, une porte de château, là, ça peut être sympa. J'avais pas vu, il y a un petit papillon en haut. Regardez, il est... Oui. Je sais pas, est-ce que vous pensez que le prochain Game Pack, ce sera les fées? J'espère que non, j'espère que ce sera les loups-garous, parce que... comprenez bien que les fées, je vais hurler. Mamie. Non, je ne veux rien entendre, ok? Je ne veux rien entendre. Je ne veux pas qu'on tue mon espoir dans l'œuf. C'est fini. Mamie. Maintenant, je fais plus de concessions. Je veux mes loups-garous, je te dis. Mamie. Mamie, il va falloir être forte. Non, je veux pas entendre ce que tu vas dire. Mamie. Je ne serai pas forte. Je te dis, je veux pas être forte. Mamie. Non. Mamie. Tu es grande maintenant. Je suis pas grande, je suis petite. Tu as le droit de savoir, mamie. Non, je veux pas savoir. Mamie. Regarde-moi, mamie. Non, je veux pas te regarder. Non. Mamie. Il faut que tu avoues, que tu t'avoues maintenant. Mais les loups-garous ne reviendront pas. Si, ils vont revenir, ils vont revenir. Ils reviendront pas, mamie, ils reviendront pas. Ils vont revenir, je vous dis qu'ils vont revenir, ils vont revenir. C'est pas possible, il faut qu'ils reviennent. Tu vois que tu sais jouer des émotions? Au lieu de me faire ton... Oh bon sang. Sale gosse. C'est pas beau ça. Je dis rien depuis tout à l'heure, mais c'est pas beau. Oui. C'est moyen. C'est même très moche. Ça, ça va, par contre. Oh, voilà la lumière, quoi. Bah, en fait, il y a des... Enfin, c'est... Si, c'est pas plus mal qu'ils aient fait des petites fenêtres, parce que c'est vrai que quand je cherche des petites fenêtres, tu sais, pour les chiottes, je mets toujours les mêmes, les plus carrées. Les petites carrées, là. Et à chaque fois, c'est chiant, c'est pas beau, c'est tout. Et... Oh, la petite ronde, là, elle est pas mal. La petite ronde avec les petits losanges, j'aime bien. L'autre petite ronde aussi, là. C'est pas mal, ça. Elles sont jolies. La petite carrée au-dessus de la petite ronde aussi, j'aime bien. Oh, trop beau, les vitraux. Compte, ouais, enfin, les vitraux, c'est sympathique, quoi. Mais je mettrais pas ça partout.
Bah... Si, ah si, il y a des petits carrés que j'aime bien, là. En fait, je pense, à l'extérieur, c'est moche. Mais si tu mets dans une pièce, entre deux pièces, tu vois ce que je veux dire, ça peut être... Ah, bon. Ouais, ça peut être sympa, en ouais. guise de déco et pas de fenêtre. Ouais, si, ouais, t'as raison, ça peut être sympa. Ils feront encore des packs végétalisme ou extension de yoga à la place. Oh, certainement. Osk, je te rappelle que t'es à moi. Ce que tu devrais dire, c'est « Oui, mamie, ils vont faire tes loups-garous, ne t'inquiète pas. » Mais quoi, génération pourquoi génération? On s'en fout de génération. Il y a déjà le truc être parent, là, je sais pas quoi. En fait, j'aimerais bien... Parce que je pense qu'ils veulent rajouter des... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. J'allais te dire, je pense qu'ils veulent peut-être rajouter des trucs pour les personnes âgées. Parce qu'il est vrai qu'ils n'ont pas énormément d'activités. C'est un peu les oubliés du pack, si tu veux. Ouais, bah les bébés aussi, les enfants, les bambins. Les bébés, les enfants un peu moins maintenant, commence ouais, bah, à y avoir des trucs. C'est pas trop les tôt, bambins, au bout de 7 ans. Bon, bah... Les bambins, bah, c'est vrai un petit peu, mais il y a quand même des choses à faire avec eux, tu vois. Je dois quand même leur apprendre des trucs, tout ça et tout. Par contre, les personnes âgées, excuse-moi, mais ils ont vraiment, vraiment oui, rien. Quoi. Je suis d'accord, mais honnêtement, sur tous les gens qui jouent aux Sims, combien vont vraiment jouer des vieux? Vraiment? Figure-toi qu'on était beaucoup plus à jouer avec des vieux sur les Sims 3 que sur les Sims 4. Et la raison, c'était qu'il y avait des choses à faire avec les vieux. Mmh. Là, on ne joue pas les vieux parce qu'en plus de pas pouvoir jouer avec les vieux, il y a aussi l'espérance de vie. Moi, je suis désolée, mais quand tu passes en espérance de vie normale et que tu vois que dès que la personne elle vieillit, il lui reste 2-3 jours à vivre, c'est quand même pas sublimissime. Ouais, je comprends. Parce que les vieux, tu vois, moi j'en ai joué 2-3, mais ça va 5 minutes, quoi. Enfin, on s'en fout, en fait, c'est... Non, mais c'est ça, c'est inintéressant à jouer, il se passe rien, ils ont une espérance de vie extrêmement courte. Mm. Moi, je suis désolée, mais c'est pas parce que tu deviens vieux que tu meurs du jour au lendemain, on doit te claquer de doigts, quoi. Faut arrêter. Si. Donc, je suis obligée de mettre une espérance de vie longue pour avoir des vieux qui soient un peu plus intéressants, quoi, donc... Ouais, je comprends. Oh, et ça, c'est joli aussi. Les fenêtres sont très belles. Voilà, je ne dis rien, mais je regarde, en fait. Les fenêtres sont très, très, très jolies. Ouais, c'est sublime. J'adore. Je pense qu'on va pouvoir faire des petites maisons, là. La maison de Violette et Ferdi, là. Moi, je m'y remets après le live. Hein. Tu m'étonnes. Ah, c'est parti, là. Il y a peut-être les fenêtres avec ce machin-là au-dessus que je suis pas... pour lesquelles je suis pas très 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 fan. Celle-là j'aime pas trop, mais par contre je sais où on pourrait les mettre, tu vois, dans une maison un peu style Tudor, excusez-moi, je ne sais pas le prononcer, mais bon, bref, ça peut être bien, tu sais, les trucs qui font un petit peu anglais, un petit peu style manoir, mais en petit. ça peut être pas mal. Bah, c'est l'inspiration, je crois que le village a été construit sur... pris en exemple sur un truc anglais, justement. Oui, sur la campagne anglaise. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là, les gars. Ça fait 26 spectateurs en tout. N'hésitez pas à parler. Je suis désolée si on parle pas trop avec vous. Sachez que les gens dans le chat sont très gentils et vous pouvez discuter avec eux. Parce que... Bah, tout à fait, mais on vous lit. Hein. Moi, je vous lis. Je vois s'il y a des réponses. Mais je lis comme je peux. Je saute un peu, mais je fais ce que je peux. On se calme, tu fais peur. Ah bah, je devrais t'habituer depuis le temps. Et oui, ma santé, ça va. J'ai eu des petits soucis, mais je crois qu'on a trouvé d'où ça venait. Voilà. Donc on a juste augmenté un médicament et ça repart. Voilà. Tout va bien. C'était quoi la pub machin et ça repart? Et ça repart, bah j'y ai pensé aussi, mais j'arrive pas à me souvenir c'est quoi le truc. Je sais plus non plus. Vous savez, vous avez vu cette pub de merde truc et ça repart, genre. Repart, ouais. Ça devait être un truc de produits ménagers ou je sais plus quoi, je sais plus. Ou des piles ou. Bah les fenêtres sont jolies, voilà. Et celles-là, mais elles sont trop belles. J'adore.
les deux là. Ah là là. Ah là là, maman. Et c'est bien parce qu'il y a aussi une fenêtre. Bah bref, j'aime les fenêtres, voilà. J'aime les fenêtres, j'aime bien les portes, mais je sais pas si j'arriverai à bien les mettre par contre. Mars. Et ça repart. Yes, maintenant j'ai faim. Merci. De rien, mais c'était pour Mars. J'ai déjà joué des vieux. Oui, mais voilà, mais on en joue, mais pas beaucoup. Enfin, pas. Enfin, comment je peux dire? Pas beaucoup, énormément, quoi. En fait. C'est ça. Un peu comme les aliens, en fait. Moi, une fois que j'ai testé les aliens, j'ai dit, bon, bah voilà, j'ai testé les aliens. C'est ça. Comme il n'y a pas un gameplay de ouf autour des aliens, bah forcément, une fois qu'on a testé. J'ai envie de dire, c'est pas les plus beaux sims, c'est pas les sims les plus intéressants, donc après, bah voilà. Et c'est dommage, parce qu'ils auraient pu faire pas mal. Après, pour leur défense, parce que des fois, je défends quand même encore ce jeu, je ne sais pas pourquoi. Mais pour leur défense, c'était leur premier surnaturel, et ils sont vraiment extrêmement bien rattrapés avec les vampires. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi ils avaient autant massacré les sirènes après. Autant les sorciers, pour moi, ça va. Je sais qu'il y en a plein qui sont déçus. Moi, ça va. Bah, disons, ça passe. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses que, bon, qui demanderaient à être améliorées. Mais en même temps, ils ont tenté des choses et je trouve ça intéressant. Du coup, pour moi, les sorciers, c'est pas non plus l'espèce ratée. J'avoue que voilà. Pour moi, par l'espèce contre... ratée, hors alien, c'est vraiment les sirènes. Les quoi. Sirènes. Ah non, les sirènes. Mais c'est une déception, les sirènes. Elles sont magnifiques. Franchement, j'ai pas voté pour les sirènes quand ils ont fait le sondage des sirènes. Mais quand j'ai vu qu'elles allaient sortir et comment elles étaient belles, parce qu'elles sont belles, elles sont magnifiques et tout, l'animation, tout est parfait. Et tu peux rien faire avec. Elles ont pas de compétences. Elles sont là. Elles ont rien de spécial. Moi, je dis... Ok, je peux comprendre que les sirènes ne puissent pas tuer, par exemple. Ça, je peux comprendre qu'elles ne puissent pas noyer les gens. Je oui, comprends femme. Tout à fait. Pas ça, les voilà, vampires mais... non plus, hein, parce qu'il faut être friendly. Hein. Voilà, voilà. Mais pourquoi pas? Mais à la limite, bon, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, qu'elles ne puissent pas ensorceler comme les vampires peuvent le faire avec, avec comment dire, leur aura, là, romantique, tout ça et tout. Ouais, elles auraient pu avoir un truc... voilà, charme, un truc qui, avec quoi. Leur chant, tu vois, qui pourrait charmer et faire en sorte que le Sim, s'il tombe amoureux, il tombe sous leur charme, ça aurait été génial. Juste ça. Même pas, je demande forcément des compétences de ouf, je demande juste ça. Non, mais je suis d'accord. Excuse-moi, je rigole parce qu'ils sont en train de nous faire des jingles de tapis. Tu vois ça? Vous êtes des sales trolls. On a marre, prends un malabar. Ah nous, on disait oui, avec, je m'en rappelle. Avec mon frère, on disait quand il y en a marre de malabar, il y a sauciflard. Mercurochrome, le pansement des héros. Oh là là, vous et allez tous les barrières sont sympas. Je suis pas spécialement fan de celles-là, mais les petites là et le muret. Mais alors moi, c'est bon, tu mets un muret, je suis contente. Hein. Ah le muret, j'aime bien, ouais. Oh là là, oh, quelle beauté. Et les petites là, elles sont trop mignonnes. Après, ça, moi, les barrières, ouais. même les moins jolies, je dirais, non, mais elles sont pas ça mal. Passera. Ça passera pour un escalier, tout ça et tout, au pire. Enfin, je veux dire, il y a des trucs... Non, je trouve ça pas mal, oui. J'aime bien. Ouais, elles sont jolies. Elles sont... C'est approuvé par la vieille et la connasse. À vous de choisir qui on ne vous influence pas. Tout à fait. Par contre, choisissez bien. Tout à fait. Il y aura des conséquences. L'action aura des conséquences. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un tatouage. Un deuxième. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Tu ne l'as pas montré, tu ne l'as pas dit. Bah, je le dis. Mais celui-là, il est dur à montrer. Voilà. Voilà. On en a deux, là. On a celui-là. Et celui-là. C'est pas mal. Le sauciflard. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, tiens. C'est pas plus mal. Ouais, bon, bah, c'est un escalier. C'est quand que tu te fais tatouer Mamie Forever? Donc, cette barrière est pas mal, hein. Ah, en vrai, sur les escaliers, ça rend bien. C'est ce que je te disais. C'est sympa. Donc, tu vois, j'ai toujours raison. Donc, il est temps de te faire tatouer Mamie Forever. Non, quoi. Alors, c'est le signe de... Là, c'est le signe de Life is Strange.
Donc là, Life is Strange, pour ceux qui ne connaissent pas, le premier opus, on pouvait remonter dans le temps et c'était ce signe-là. Quand on remonte dans le temps, sachant que les points représentent... Vous ne voyez pas très bien. Attendez. On va emmener la caméra. Excusez-moi, ce n'est pas du tout... Nya, nya, voilà. Donc les points représentent des moments importants du temps. Le papillon, l'effet papillon, tout ça. La croix, c'est le point de départ ou le point d'arrivée. Ça dépend comment vous voyez ça, si vous êtes philosophe, etc. Et la fameuse phrase, cette action aura des conséquences. Puisque j'estime que dans la vie, tous les choix qu'on fait ont des conséquences. Voilà. À méditer, vous avez 5 heures. Voilà. Non, je l'ai fait début juillet. Et celui-là... Si tu veux tatouer Mamie Forever Tonight, il n'y a pas de problème. Par contre, je choisis l'endroit, les fesses. C'est obligatoire. Et celui-là, donc, c'est Malice et Lupina, que j'ai déjà depuis 4 ans. J'adore ta tête. Oh là là, mais virez-la. Ah, il est mignon, le petit portillon. Mais ça va pas faire... Mais avec quoi on met ce truc, par contre? Ah, c'est pour aller avec le muret. Je sais pas, ça fait bizarre. Oh, mais c'est joli, j'aime bien. Ah, mais c'est joli, contre, mais je trouve que ça va pas avec le reste. Peut-être avec les peut-être plus les trucs en bois, je sais pas. Bah, je sais pas, parce que regarde, là, c'est un bout en pierre. Mais... Mais ça, tu vois, c'est le problème des Sims. Hein. Je suis désolée, mais est-ce qu'ils peuvent pas faire des trucs qui vont ensemble, des portillons qui bah, vont souvent, avec ça va machins. Ensemble. Hein. Regarde, celui-là, il va ensemble. Celui-là, ouais, ça mais... peut passer. Ouais, mais t'en as qui ne vont nulle part. Ouais. Enfin, moi, je sais qu'il y en a qui vont nulle part. J'arrive pas à trouver avec quoi ils ont voulu le faire. Quoi. Ah, vous voulez rire? Les voilà, les plantes, lol. Ça, c'est encore un truc que je vais pas mettre parce que j'oublie. On en aura d'autres, des plantes. On aura sûrement des fleurs, des machins. Mais non, il y a rien dans le truc des arbres. Il y a que la vache, le lapin et la poule dégueulasse. Ah, mais dans le débugage, peut-être, après. Mais bon, c'est vrai que... Triste. Mamie Forever Tonight. Je regarde l'émission Tattoo Cover sur la 11. C'est bien, ça? Ouais, je suis d'accord avec toi, Max. Pardon. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Après, il y en a plein en ce moment qui font une décade, alors... Je sais pas. Après, je crois qu'ils sont inspirés de la campagne de Londres, si j'ai bien compris. Enfin, la vieille campagne de Londres. Après, pourquoi pas. Ouais, voilà, quoi. Pourquoi pas. Ok. Ok. Bon, ça, c'est pareil. C'est encore un truc que je vais jamais mettre. Parce que je n'y pense pas. Même si j'essaye de plus y penser, là, mais bon... Là, j'aime bien les mettre maintenant. J'avoue que je fais pas mal de pièces comme ça avec les tympans comme ça et j'aime bien. Bah, quand j'y pense, c'est cool. Non mais ça va, on va pas mettre toute la famille tortue là. Bah si, d'accord. J'aime beaucoup comment t'as disposé le truc. T'as le renard qui veut niaquer clairement les lapins. Et t'as la poule, enfin, ou le coq, qui est en train de regarder le cul du renard. C'est parfait. Tadam. Voilà. Imaginez une légende à cette image. Vous avez 10 minutes. Ça, faut que je pense à les mettre aussi sur les toits. J'y pense jamais. Les cheminées? Ouais. Moi, j'aime bien aussi. J'en fous tout le temps, par contre. Je sais. Enfin, je sais, Mamie, mais... J'y pense pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que tu nous as trouvé encore comme merveille? Je suis impatiente. Non, rien. C'est parce que j'ai cassé l'escalier, mais il est resté en mode Thug Life. Enfin, ouais, bon, bref. J'ai cassé le mur, mais pas l'escalier, voilà. Alors, les papiers peints.
On est obligé, les papiers peints. Ouais. Allez. Le courage. Le courage. Pardon, excusez-moi, je remets le propre. On peut les zapper, c'est trop moche. Le courage. Est-ce qu'on a diff entre lui et lui? Il y a pas de diff. Si, regarde. Ah oui, d'accord. Le sens des fleurs. C'est magnifique, n'est-ce pas? Attendez, j'ai une idée. On va tester un truc. Bisous, mon petit cucu. Bisous. Attends. Ah, c'est vraiment trop bien. C'est trop dans l'esprit et tout. Du vieux temps, moi j'adore. En plus, ils ont mis les deux sens. Franchement, c'est trop cool. Oh là là, excusez-moi les gars, je vais devoir rage-quitte. Ils sont vraiment. Je reviendrai plus tard. Ils sont vraiment. Si vous retrouvez Loupi, vous me faites signe. Hein. Mais là, je vais devoir partir. Apparemment, on a perdu Loupi. Oh là là, waouh, c'est trop beau. Et regardez cette qualité de la décoration. Oh, c'est incroyable, les couleurs sont fantastiques. Oh, regardez, il y a un lapin, c'est vraiment trop mignon, j'adore. C'est bon, je suis prête pour être game changer. Non, tu n'es pas prête donc, pour être game changer. Mais je vais tout donner. Pourquoi? C'est pas ouf, Stella sort de ce corps. C'est dégueulasse. Non mais attends, le coup du papier peint, un coup à gauche, un coup à droite, c'est quoi ce foutage de gueule? Vous pouviez pas le faire sur le même et en faire un autre? Je vais baisser ton son légèrement. Pardon, excusez-moi. Y a pas de problème, hein, je vais juste baisser ton son très légèrement. Voilà. Bon, après je l'avais vu dans le trailer, j'avais déjà dit dans le trailer, c'est dégueulasse, donc sans surprise, c'est dégueulasse, voilà. La petite pierre, là. Pour faire une maison à mamie, c'est bon. Non, mais même mamie, elle mérite pas ça. Respectez les mamies au bout d'un moment. Hein. Bah non, attends, il y a plein de mamies qui aiment ça. Moi, ma grand-mère, elle aurait adoré ce papier peint. Pas la mienne. Écoute. Chacun ses grand-mères. Moi, ma grand-mère a été moderne. Elle adorait Internet, mais par contre, le papier peint... Bah si, je vais inviter ma grand-mère et je vais lui montrer les papiers peints. Je vais lui dire, t'aimes bien ça? Et ça, t'aimes bien? Mais ouais! Et ça, t'aimes bien? Invite-la en live! Non, 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 je vais pas mettre ma grand-mère en live. Oh, laissez-la tranquille. Il faut mettre la grand-mère en live! En vrai, elle sortirait tellement des phrases de malade. Vous êtes pas prêts, hein? Vous êtes pas prêts pour ma grand-mère, hein? Et les chats, elles font pas des chiens! Hein. J'aime bien les pierres, en tout cas. Ouais, elles sont très jolies, les pierres. Bah c'est des pierres quoi, en même temps, c'est difficile de rater des pierres. Bon alors le sol. Excuse-moi mais ils ont raté des briques, hein. Alors bon, je suis plus à ça près moi. Attends, il y a deux. Ah, il y a encore le sol dégueulasse avec les fleurs là. Non merci, je regarde pas. Attends, on peut mettre en vert, ça passe mieux en vert. Ah oui, en vert, ça va. En jaune aussi, ouais. C'est quand même un peu de la merde. En plus, les pierres sont même pas de la même couleur, donc tu peux pas te faire un délire, genre un coup c'est vert, un coup c'est rose, un coup machin, parce que la pierre est pas de la même couleur. Je trouve ça un peu spécial quand même comme sol. Hein. Oh, il est beau le bois. Ouais, par contre, le bois, j'adore. Alors là, par contre. Oh, il est joli. Ça me plaît, ça.
On peut même les mettre dans l'autre sens, parce que vous êtes sages. Oh, il est joli. Il est joli, on va pas tortiller du cul, machin, là. Il est joli. Ouais. Ah, ouais, j'adore. En plus, il fait un peu ancien et tout. Tu vas mettre ça dans la maison de Ferdi, je le sens. Peut-être. Possiblement. Je sais pas, je verrai. Bon. Bah écoutez, c'était. C'était quoi? C'était intéressant. C'était. Ouais. Bon. Alors maintenant, les objets. Attends, on regarde pas les pièces d'abord? Mais je regarde jamais les pièces, moi. Tu regardes jamais les pièces, toi? Bon, non. Mais mamie, t'es pièces. Là depuis quand, mamie? Je suis là depuis longtemps. Je me rappelais plus que tu regardais pas les pièces, toi. Non, je regarde pas les pièces. C'est vrai que je pourrais regarder les pièces. Mais est-ce qu'on s'en branlerait pas un peu et qu'on regarderait pas tout comme ça, un par un, pour juger comme des connasses? Bah, si, tout à fait. Puis de toute façon... Oui, pardon. Mes oreilles. Alors... Je suis pas désolée pour vos oreilles. Par contre, je suis désolée de pas avoir vite changé de scène. J'avais un peu oublié. Oui, le tatou, enfin. Attendez, je lis un peu YouTube parce que je vous ai négligé. C'est honteux. Oui, honteux. Il y a 12 personnes. 12 personnes sur YouTube. Merci beaucoup à vous. Enfin, maintenant, il n'y a plus que 7. Mais merci à vous en tout cas. N'hésitez pas à parler. Nous sommes gentils. Les gens dans le chat sont gentils. Et merci aux gens sur Twitch. Bonne nuit, mon petit frère. Fais de beaux rêves. Rêve des Sims et de ma voix mélodieuse. Surtout de ta voix mélodieuse. Surtout de ma voix mélodieuse. Attends. Attends. Ah, je suis déçue. Le lit est très beau, mais tu vois, j'ai eu un court instant l'espoir qu'il y ait des citrons dessus. On peut pas mettre des citrons partout, Loupi, quand même, hein. Au bout d'un moment, hein. Mais les citrons... Ça, c'est moche, j'aime qui met ça. C'est un siège. J'aime bien les bottes de paille. Si, c'est un petit siège. Ah, mis dans une chambre d'enfant, ça peut passer. Ouais, mais faut arrêter. C'est comme les vieux. C'est pas parce que c'est des gosses qu'on doit mettre tout n'importe quoi. Bah, ça peut être mignon dans une chambre d'enfant un peu féerique pour une petite fille qui aime bien les fées. Et si c'est un petit garçon qui aime bien les fées? Ou un petit garçon qui aime bien les fées, ça pose pas de problème. Je veux dire, les deux. C'est ton fauteuil, mamie. Oui, c'est mon fauteuil. Tout à fait. Alors, par contre, je le prendrais en uni, hein. Non. Et j'en veux un qui s'allonge. Non, t'auras les fleurs dégueulasses, là. Non, je ne veux pas les fleurs dégueulasses. J'en veux un qui s'allonge et qui soit uni. Non, j'en veux un noir. C'est pas toi qui décide. C'est moi qui décide. Oh, c'est dingue, ça. Tu... Bah non. Bonne nuit. Bonne nuit, Missou. Merci d'être viendu. Et merci pour le jingle. Oui, et merci pour ta thune. Et merci pour tout. Et d'avoir modéré et tout ça. C'est vraiment gentil de ta part. Ils sont mignons, les petits tabourets, là. Le canapé, il est beau. Mais on en a déjà dans le même style. Je crois. On en a un dans le même style, mais je trouve qu'il n'est pas aussi beau que celui-là. C'est vrai qu'il est beau. Oh, le banc, il est beau aussi. Un petit banc. Oh oui. Oh, il est trop joli, j'adore. Oh, par contre, là, j'adore ce petit banc. Je sais que c'est qu'un banc, mais moi, j'aime bien. Je kiffe là. Bah, c'est bien, mamie. T'as pas à te justifier d'aimer un banc. Hein. Ah, c'est joli. Elle est sympa, la cuisine, là. Ouais. Bon, elle est un peu cassée, mais ça va. Elle est pas dégueulasse non plus. Et elle ressemble pas finalement tellement à celle de rustique. Hein. Je trouve que ça va. Hein. Attends. On va comparer tout de suite. Alors, il est où par contre?
Non, ça va. C'est le même genre, quoi. C'est le même style, mais c'est logique. Mais je veux dire, voilà, quoi. Non, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Oh, j'avais peur que ce soit vraiment pareil, quoi. À peu de choses près, quoi. Voilà, quoi. Là, je trouve que non. C'est quand même différent. Ça me convient. Alors, il y a ça aussi. C'est le même, mais en... C'est pas mal. C'est pas mal. Et il y a du jaune pour Braise. D'ailleurs, elle est partie, la grognasse. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Non, elle est pas partie, je crois pas. Braisouille, ma petite puce. Braise, tu t'appelles. Oh, des fleurs, toujours des fleurs. Ah non, elle est là. C'est mignon. Elle est mignonne, cette table. Même avec une nappe à fleurs, ça me dérange pas, moi. Regarde celle-là, avec les petits champignons, les petits glands et les choux. Non, même la nappe à fleurs, non, c'est glace. Mais non, ça va. Non. Mais arrête, moi j'en avais des nappes à fleurs quand j'étais petite. Oui, moi aussi, justement, j'en veux pas. Mais moi, ça me rappelle mon maman. Oui, moi aussi. Ah, il est beau, lui. Oh! En rose pour Stella. Trop bien. Moi, je vais mettre ça dans ma maison. J'aime bien, tu me dis que ça me rappelle ma maman. Comme si c'était une justification. Les pulls moutarde aussi, ça te rappelle ta maman. Oui, mais ma maman n'a pas que des bons goûts. La mienne non plus. Ouais, c'est ça, au moins le truc est pas détruit. Bah, il est un petit peu abîmé si tu regardes, genre un petit peu. Mais ça va. La petite table de nuit, elle est chou aussi. Les meubles sont sympas, hein. Les meubles sont très sympas, j'aime bien. Petit vaisselier là, sympa. Vaisselier, je sais pas, je m'en branle. C'est sympa. Oh, un truc pour faire sécher les herbes. Bien sympa. Sympa aussi. Eh bien. Un lavabo. Oh, là, j'en suis au truc que t'accroches au mur, j'aime beaucoup. Je vois les lavabos. Oh, sympa aussi. Je vais regarder un petit peu les couleurs. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Moi, j'aime bien. J'ai remarqué en général, très très souvent, que en fait dans les add-ons, les kits et tout ça, souvent le casse, je suis mitigée. Genre ça va, ça passe, il y a des trucs... C'est rarement où je suis en extase, mais en général ça passe. Le mode construit, je suis assez fan en général, très souvent. C'est rare que je trouve ça vraiment dégueulasse ou nul. À la limite, je peux être déçue parce qu'il n'y a peut-être pas assez de contenu ou parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Et là, c'est du foutage de gueule, je suis d'accord. Mais globalement, ça passe. Et puis le gameplay, quel gameplay? Voilà. Oh, les petits paniers. Ah, c'est El Famoso panier à pique-nique. Ouais. Ouais. Qui disparaît, que tu ramènes et... Ça, par contre, j'étais déçue. Je pensais que les Sims le prenaient, tu vois, en main et tout. Ah, ils le prennent pas. Non. Ah, ils le mettent dans l'inventaire comme les vaches. Je sais même pas s'il est dans l'inventaire. C'est juste qu'ils le sortent au moment où ils font le repas, quoi. Ah, d'accord. Super. Oh, c'est trop beau. Une arche de mariage pour les fées. Oh putain. D'ailleurs, avant de nous quitter, je vous ferai un petit point sur Lulabi parce que j'ai avancé de mon côté. Parce qu'en ce moment, j'aime jouer dans mon coin tranquille. Et je vous ferai un petit peu un petit récap de ce qui s'est passé si ça vous intéresse, évidemment. Mais
Après, le souci, c'est que moi, j'aime beaucoup jouer, en fait. Du coup, bah... Bon, enfin, en soi, je me fais mes histoires, donc ça va, je m'ennuie pas trop. Qu'est-ce que cette merde? Ah, c'est un magasin de plantes, d'accord. De la connasse, ok. Épicerie, très bien. Ah, les parcelles de terre, là. Les champs. Ok. Ok. Le poulailler, mesdames et messieurs. Le petit tronc. Voler d'oiseaux sauvages, ouais. Les abris pour animaux. Putain, ça prend... Ça prend v'là la place. C'est pour ça que j'étais un petit peu déçue, parce que bon, bah voilà. Oui, ça prend la place. Ils auraient quand même pu mettre une porte, hein, qu'un vieux trou noir, là. Ouais, je trouve aussi. C'est pas terrible. Je trouve qu'ils auraient pu mettre une porte d'étable, parce que franchement, c'est pas... Ou alors, tu sais, même mettre, s'ils avaient pu, enfin, je sais pas, mettre... C'est les portes des granges, là, qui sont super belles et ouais, tout. Ouais, les rouges et blanches, là, ouais. Ouais. Mm. Oh, des fleurs. Y a jamais en plus, on peut mettre qu'une vache dedans. Enfin, moi, ça me... Ouais. En gros, pour avoir plusieurs vaches, il faut mettre plusieurs maisons, c'est ça? C'est ça. Je comprends pas trop le principe, mais... Surtout vu la taille des machins, quoi. Ah, il est beau, le petit chariot. Et le petit panier, là, avec le machin, il est beau aussi. Par contre, il n'y a qu'un lit. Il n'y a qu'un lit. Je ne sais plus parler, moi. Oui, oui, il n'y a qu'un lit. Ben, super. Un pâté tableau. Il est trop beau, le petit tableau, là. Attendez. Oh, une nature morte. Il est trop beau. Non, mais là, en fait, la vache, quand tu l'achètes, elle spawn à côté du machin et elle bouge pas, mais elle reste là. Là, ça fait juste un truc noir, c'est triste. J'aurais pu mettre une porte, quoi. Je pense pas que ça aurait coûté beaucoup plus cher, tu sais, ils reprennent le modèle des portes qu'on a et... Voilà. C'est juste une porte qui s'ouvre, même si elle s'ouvre sur du noir et qu'elle a juste la vache qui sort du noir. Ça aurait été quand même mieux que le trou noir, là, parce que ça, c'est juste pas possible, quoi. Ouais, c'est pas terrible, hein. Même, je pense aux gens qui filment, c'est pas terrible, quoi. Oh, c'est trop chou. Je pense qu'il y a un modeur très gentil qui va nous faire ça, hein, T4. Ah bah, je pense bien, de toute façon. Moi, ce qui me fait rire... On n'a pas encore testé le gameplay, donc je veux pas non plus être mauvaise langue. Et j'ai pas non plus testé le D-mode. Mais il y a quelqu'un qui a sorti un mode à la ferme une semaine ou deux avant l'annonce de ce pack-là. Et il a l'air plus fourni que le pack lui-même. Alors que le mec s'est fait chier à modéliser les animaux grâce aux chiens et aux chats, mais ces animaux, ils bougent, tu vois. J'sais pas. Ils bougent et tout. Je rappelle que tu peux faire du cheval en plus, là-bas. Oh, ce petit bébé. Oh là là. Trop mignon. Oh, kawaii. Ouais. Ouais, ouais, les modes sont plus... Ils peuvent pas s'inspirer des modeurs ou les engager ou je sais pas. Fin... Un petit bro. Allez, boîte. Je crois que c'est gratuit, Kiki. Je sais plus. Je crois que je l'avais mis sur le Discord, mais je ne sais plus. Oh, elle est trop chou, la théière. J'ai envie d'un thé avec toutes ces conneries, là. Un tapis, super. Encore avec des lapins. Mais ils pètent les yeux, putain. Le contraste, à un moment donné. Oh là là, c'est pas possible, ça. Mais regarde, ça éclate les yeux. Ah, oh, il est beau, lui. Ah, il est beau et il agresse pas trop la rétine. Enfin, oh. Tapis, quelle hurle, Braise. Oui, Braise, tapis.
C'est pour toi, ma puce, c'est pour toi. Oh, la cheminée. Ils ont pensé à toi. Par contre, la cheminée est sublime. Hein. Oh, oh là là là, les cheminées. Ah, et la deuxième, tout aussi sublime. Ouais, 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 ouais. Une petite couronne. Et le bug qui fait disparaître les murs quand je pose quelque chose dessus. C'est très sympa. J'aime bien tes bugs. Oh, ça me casse les couilles. Attends, mais tu sais, j'ai aucun mod. J'ai aucun CC. Je répare souvent mon jeu. J'ai un PC gamer qui fait tourner des jeux de bâtards comme Red Dead à fond. Et ça bug sur les Sims 4. Va pas me dire que c'est de ma faute, là. Bah, si. Ah, d'accord. Oh, la cocotte à mamie. Oh, la cocotte. Alors ça, par contre, ça, c'est cool. Oui, c'est un... Ah, ça, moi, j'adore les mains. Elle est trop belle. Attends, il n'y en a pas une vert foncé? Oh, dommage. J'en avais une vert foncé. Ma mère a la même. Ah. Voilà. La petite poule. Je suis l'espèce de bonbonnière là que t'as posée à côté du lapin. Bah figure-toi que ma grand-mère elle en avait une comme ça. Attends, le truc avec la poule là. Ouais. Ah, coucou parole d'une geek, coucou Morgane, excusez-moi, je ne vous avais pas. Ma grand-mère c'était la bonbonnière et on soulevait le couvert, je me souviens il y avait plein de bonbons dedans. Ah d'accord. C'était bon les bonbons. Comment allez-vous? Ah mais ça fait longtemps coucou. Parole d'une geek. Je viens de restituer dans ma petite cervelle. Comment ça va-t-il? Ton PC ne veut pas les Sims 4. Non, mais c'est ça. Grégoire, il en a marre. Il se farcit les Sims 4 depuis... Enfin, les Sims, pardon, depuis les Sims 3, quand il mettait une demi-heure à s'allumer parce qu'il chargeait tous les putains d'add-ons, plus tous les putains de CC. Il n'en pouvait plus de sa vie. Il mettait vraiment une demi-heure à lancer le jeu. Par contre, après, une fois que c'était lancé, tu vois. Demi-heure. Petite joueuse. Bah quoi? Je rappelle que moi, je lançais le jeu le matin pour jouer l'après-midi. Ouais, mais Grégoire, je l'ai eu à mes 18 ans et mon frère avait fait en sorte qu'il soit plutôt bien, tu vois. Moi, c'était un vieux PC de bureau, alors bah forcément. Oui, forcément. Mais avant, Je jouais avant sur le PC familial, il en chiait du cul le beau. Avec le vieux Windows XP là, au secours. Ouais, ah, ouais, 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 ouais. Beau. Dans Windows XP, t'avais? J'étais pas à Windows XP. J'étais à Windows 98. Oui, bah je l'avais avant. Hein. Mais après, il y a eu la mage. Ça va, mamie, t'es pas la seule à être vieille ici? Si. Si! Arrête d'essayer de me piquer mon rôle. C'est à moi. Ok. Ça se pose quelque part, ce truc? Ou ça se pose jamais? Il ne voulait pas. Ah, voilà. C'est quoi, un ordinateur machine à écrire? Bah, c'est concept. Ah oui. Oui, oui, j'avais vu ça. Alors, par contre, il y en a plein, ça les a enthousiasmés. Excusez-moi, les gars, mais moi, je sais pas. Soit c'est un ordinateur, soit c'est une machine à écrire. Mais les deux, là, comme ça... C'est trop concept pour ma petite tête. C'est de la merde. Voilà. Excusez-moi, je vais vous départager sur le débat, c'est de la merde. Enfin... Tu prends une machine à écrire ou un ordinateur, mais ça, non. Mais arrête! Ben, ça m'a limite rendu triste parce qu'en fait, j'aurais préféré une machine à écrire. Oui. Des ordinateurs, on en a plein et tout. Mm-mm. Mais une machine à écrire, ça aurait été tellement sympa. Je suis assez d'accord. J'aime beaucoup le frigo. Le blanc ou le... Le blanc. Ouais, l'autre, moi aussi. L'autre un peu moins, mais l'autre, je trouve que dans une maison, tu sais, ancienne, encore une fois, bah ouais, ça passe. Franchement, comme Disney. Moi, ça me fait juste penser au frigo... Dans Ark, quand il n'y a pas de civilisation, quoi. Donc bon... Bah, ça me fait penser aux anciens frigos, justement, et tout, dans un décade. Ce que disait Max, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est sûr que bon, voilà, quoi. Tout le monde fait pas le décade, hein. Putain, s'en prend un peu. D'ailleurs, ils ont réparé le putain de bug des miroirs ou pas? Bonne soirée, Sim7, merci beaucoup d'être passé.
Bonne soirée, bonne nuit Simset, gros bisous. Ah bah il y a un autre lit, non? On a fait le tour. Non, on a fait le tour. D'accord. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait qu'un lit, par contre. Y a même bah, tu sais, j'ai vu pas mal de lives. Alors, j'ai pas regardé les objets qui sortaient. Mais j'ai regardé la fin pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et il y a beaucoup de gens qui râlaient sur le nombre d'objets parce qu'ils trouvent qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait. Bah, ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a même pas de plantes, quoi. Enfin, il y a ça, c'est... Tu fais rien avec ça, excuse-moi, mais... De quoi, les plantes grimpantes? Ouais. Si, ça peut être sympa pour décorer une maison, mais je veux dire... Oui, mais moi, je voulais des vraies plantes à mettre par terre. Mais par contre, c'est vrai que ça manque de vraies plantes à mettre par terre. Il y a aussi des plantes en pot. On n'a pas de plantes en pot, non. Enfin, j'en ai pas vu. Si, il y en a deux. Il y a le petit chariot... Le petit palmier tout mignon et les petites roses, là, voilà. D'accord, ok. Ouais, bon, bah si, bon, trois, c'est... Ah, et ça. Enfin, c'est minimum syndical, quand même, hein. Non, mais c'est à chier. Mais attends, mais il n'y a que ça comme objet, en fait. Oui, t'as fait le tour. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Attendez. Les Sims 4. Oui, c'est vraiment de la merde, de la merde. Oui, c'est vraiment de la merde, les Sims 4. Voilà. Bah... C'est beau. Mais la déception, en fait. Regarde, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. J'avoue que il n'y a pas grand-chose. Bonsoir, Pierre. Coucou, mon petit Pierre. Comment ça va? Comment on arrête les mois d'abonnement? Tu peux dans tes paramètres Twitch, Pierre. Je te montrerai si tu veux. Tu voulais dire un truc, mamie, pardon? Non, je me rappelle plus, donc ça devait être de la merde. Ah, mais okay. Voilà quoi. Ben, en fait, les objets sont beaux, mais il n'y en a quasiment pas. Il y en a peu. Il y en a peu. Pour un pack à 40 boules, c'est vrai que c'est pas énorme. Besoin de vaseline. Bah écoute, moi, je l'ai pas payé 40 euros, donc ça va. Proposons à mamie, peut-être que... Bon, bah voilà. Quoi. Bah, écoute, le truc, c'est que j'avais une carte encore de 10 euros. Du coup, j'ai plus le... Ah j'ai oui. Pas payé plein pot non plus. Bon, ça donc va. Voilà. On a déjà ça. Il est quelle heure là? Il est 23h. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de commencer le gameplay tout de suite. Ah, mais il y a un truc à louer aussi. Ah, c'est bien ça. Je suis en train de réfléchir à quand je pourrais vous faire un autre live. Vaseline pour Brez qui a payé 40. Ok, pas de problème, Brez, ta commande de vaseline est envoyée. Nous allons t'envoyer la vaseline, Brezou, t'inquiète. Je réfléchis. Tiens, j'ai envie d'aller voir ça. Attends, on va aller un peu dans la famille, là, pour voir vite fait. Qu'à prendre une famille toute faite, oui, puis voir un peu le gameplay. C'est voilà. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Mais, je sais pas... Bah, en fait, dimanche... Alors, je vous explique. Demain après-midi, je peux. Demain soir, j'ai JDR. Samedi après-midi, j'ai JDR. Samedi soir, j'ai un film. Dimanche après-midi, JDR. Et dimanche soir, Rurus couche tôt parce que il travaille le lendemain. Ouais, mais l'après-midi, il n'y a pas tout... Enfin, les gens peuvent pas forcément venir et tout. C'est pas top sim, quoi. Ouais, l'après-midi, il n'y a pas tout le monde. Donc, je sais pas.
Écoute, on va faire un mini-essai. Le but, de toute façon, c'est pas de tout montrer. C'est de comment dire, de faire un peu découvrir. Donc, à la limite, les gens, après, pourront découvrir par eux-mêmes. Je veux dire, voilà. Nous, on teste un petit peu, mais c'est tout. Attendez, ça commence bien. On vient d'arriver dans cette famille qui n'a aucune histoire. Et le mec, il a déjà ça. Se sent blessé par quelqu'un à proximité. Oh là là. Oh, cette émotion à la con. Oh, elle m'énerve. Oh putain. Attends, c'est Kim qui t'a blessé? C'est quoi? C'est ta femme? C'est ta femme. Aïe. Eh ben, tu divorces. Voilà. Allez, c'est parti. Devant les gosses, tu divorces. Bon les gars, je suis désolée hein, pour ceux qui voilà qui savent pas, mais franchement, l'émotion se sent blessée, elle est horrible et elle est horrible parce que les bambins peuvent la voir et que si jamais vous allez chercher le code pour enlever ça, et ben sachez qu'en tant que bambin, ça ne marche pas. Il faudra attendre qu'ils grandissent pour que le code marche. Voilà. Donc c'est dit, c'est de la merde. Et donc maintenant. Et puis je vois. Pardon, et puis surtout, je vois pas pourquoi un bambin de 2 ans et demi ferait la gueule à sa mère pratiquement toute sa vie de bambin. Voilà. Ça va mieux. Excusez-moi, j'étais un petit peu salée. Oui, ça va mieux, c'est sorti. Voilà. Maintenant, tu vois, il est en colère et triste. Donc, parfait. Il peut aller se faire mourir. Enculer. Ouais, voilà. Allez, voilà, va là-bas. Bien. Alors, la gothique, la machine, là, comment ça s'appelle? Rachida, très bien. Rachida, viens, tu vas acheter. Elle a trompé avec un autre fermier. Mais non, c'est la gamine. Enfin, c'est l'ado. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, en fait. Ah, c'est vrai? Mais oui! Ah non, c'est pas elle. Attends, on va prendre une vache marron parce que c'est les vaches normandes. Hein. Évidemment. Ah, et puis. Waouh. Elle est sortie, elle est là. Il lui faut un nom. Marguerite, Margot, Antoinette. Elisabeth de la Pie Joyeuse. Non, je l'ai appelée Pâquerette. Ok, Pâquerette. Alors, vous pouvez admirer... cette belle texture de vache, très très bien fait, avec un pelage pas du tout plastique. Nous n'avons pas du tout l'impression de voir un polygone magnifique. Très beau spécimen de vache. Ah, apparemment elle pue et elle est contente. Très bien. Je sais pas quoi dire. Ok. Laver Pâquerette. Être méchante. Mais je veux pas être méchante avec Pâquerette si on les va tourner. Raconter une blague sur les meuglements. Bah oui, allons-y. C'est quoi? Alors, pour info, les vaches ont quand même des énormes yeux. Hein. Non, mais je sais pas. En fait, je la trouve jolie, en même temps, je la trouve moche, mais je sais pas. Je sais pas. Mais calmez-vous! Mamie, t'es là? Ouais, je suis là. D'accord. Je suis un petit peu perplexe, en fait, parce que, voilà. Oui? Moi aussi, elle me laisse un peu perplexe. C'est-à-dire que, en fait... On dirait qu'elle est pas finie. Je crois que ça me rappelle les vaches Playmobil. Voilà, c'est cet effet-là que j'ai. Ah oui, vous savez. Mais oui. Mais vous savez, c'est tout plaqué, c'est tout. Y a pas de. On dirait pas que c'est de la fourrure en fait. Oui. Mais c'est ça. Allez, récupère son lait. Là, t'es allergique au lactose. Bah, tu vas crever. Tu crois qu'elle peut crever? Et du coup, elle a. Oui, elle meurt. Oui, ça meurt. Hein. Bah, oui, la trompe les avec. Oh bah t'es triste, bah c'est pas mon problème.
Le machin, là. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Mais... Ah non, il chiale parce que ses parents sont divorcés. Tu t'en remettras. T'auras deux fois plus de cadeaux à Noël. C'est bon. Casse les couilles. Alors, on va acheter un coq brun. Une poule blanche. Une poule brune. Une poule J'adore noire. Parce que Loupi, elle arrive. Fout la merde dans cette famille. Mais ils étaient déjà pas contents. Ils auront des raisons d'être contents. D'être pas contents, voilà. Voilà, bien sûr, évidemment. Tu veux râler? Je vais te donner des raisons de râler, connard. Voilà. Ok, si on comment, on appelle... comment on appelle le coq? Il n'y a pas de nom attribué des Mais volailles. Si, normalement, on peut leur donner un nom, normalement. Moi, je sais pas, attends. Nommé poulailler. Put ah. Non, ne guette, mais ça suffit de donner des noms de bouffe aux animaux. Regarde le jeu de mots qu'ils ont fait, c'est génial. Comment quoi? Comment ils ont appelé ça? Poule Rassic Park. Non, non, mais ça faut le garder, oh hein, oui. Poule Rassic Park, j'adore. Oh, hein. C'est parfait. Bon, les Sims, ça vaut ce que ça vaut. Ils ont quand même un peu d'humour, hein, quand même. Mm. Raconter une histoire de cocotte minute. Il n'y a pas nommé la bête. Si, alors celle-là, elle va s'appeler... C'est une poule? Bernadette. D'accord. Celle-là... Moi, je veux une cocotine. Cocotine. Celle-là, c'est cocotine. Celle-là, elle va s'appeler... Alors, un nom cliché de femme de couleur, s'il te plaît, mamie. Oh là, j'en sais rien, attends. Je cherche, mais alors là, ça me vient pas. Ah, mais mince, j'en connais pourtant. Bon, c'est pas grave. J'avais un autre nom, c'était quoi? Bah, Géraldine. Parfait. Le petit poussin ici. Poussin femelle. Regardez, il propose Nugget. Fatou. Ok, Fatou. Voilà. L'autre petit poussin là. Elle va s'appeler Coquillette. J'ai faim. Et le coq. Il va s'appeler Max. Voilà. Ah oh bah oui, évidemment. Pourquoi n'y ai-je pas pensé, Max? C'est tellement bien trouvé. Regarde comme tu es beau et fier, Max. N'empêche, les poules sont très jolies, par contre. Cocorico, Max. Enfin, quoique, en fait, c'est quoi ces ailes? Ouais, par contre, les poules et les coques, là, je les trouve super beaux. Les ailes, elles ont un problème. Oui, non, par contre, j'avais pas vu les ailes. Jusqu'à ce que tu te rapproches, là, je... Elles sont coupées ou quoi? Bah je sais pas. C'est pas censé être comme ça, des plumes, pas carrées. Bah, elles ont été... Enfin, c'est coupé? Je sais pas. C'est pas normal? Les ailes, ça passe cette forme-là? Non, ça pas cette forme-là. Bah ils ont dû les couper, hein, je ne sais pas. Après, je sais que c'est barbare, mais... Je sais que dans certains poulaillers, on coupe effectivement les ailes des poules. Oui, mais en général, pardon, on coupe juste un peu les plumes pour pas qu'elles s'envolent. Mmh. Mais pas à ce point. Bon, putain, y a pas de place là. Comment ça? Hop. Moi, je vais en faire de la place. Casse les couilles. Nick. On va acheter un Jackie, là. Ouais. Si, je sais qu'il y en a plein qui sont enthousiasmés par ça, mais moi... Jackie blanc ou Jackie beige? Gloria. Noir. Ah, c'était sympa, Gloria. Excuse-moi, j'ai pas vu. Je reviens et je te vois soupirer. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus.
Mais c'est Simette qui choisit son Jackie. Tu vas déjà te coucher, Ruru? Pas dans longtemps, ouais. Ok. Simette a un petit peu de latence. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait depuis. Que j'ai pas fait depuis un bail. Oh mon dieu, il va lire! Lire un livre? Oh mon dieu, il va lire un livre! Ok. Hop, le lama blanc. Qui va s'appeler. Jackie! Ah, il est trop chou. De quoi, mamie, que les gens sont enthousiastes, mais pas toi? Oui, sur les lamas. Ah oui. Bon, ils sont mignons quand même. Mais bon. C'est du lama, quoi. Ça n'a rien à faire dans une paire. Si, si, si. Si, mmh. Si, si. En Amérique, il y a beaucoup d'élevage de lamas. Et même en France, hein. Ils ont plus de laine et tout ça que les moutons... Oui, bah moi, je préfère les moutons, ok? Je suis traditionnelle. Bah, c'était traditionnel peut-être en 1712, mais les temps changent, mamie. Les traditions aussi. Non. Et puis d'abord, si les temps changent, ils ont qu'à faire aussi en sorte que les fermes soient modernes. Dans ce cas-là, faire des habits modernes. Parce que c'est quoi, ça? C'est la campagne du 15e siècle. Alors franchement, ils auraient pu mettre des moutons. Tu fais peur, Jackie. Il est là. Calmez-vous. Ok, je vais y aller. Il me stresse. En fait, mettez un mouton. C'est son tapis. Quoi? Je dis, comment tu changes d'avis? Tout ça parce qu'il te stresse. Pauvre bête. Il est rejeté. Mais toi, comment tu changes d'avis, là? Bah ouais, t'en veux plus. J'en veux. T'en veux, j'en veux plus. D'accord. On peut pas juste en vouloir toutes les deux? Si, on peut. Voilà, c'est mieux. Pourquoi les graines sont dans un pot de je sais pas quoi? Graines de citron. Non, mais en vrai, c'est vrai que j'aurais préféré quand même des moutons. Oui, non, mais je sais que... je peux comprendre. Ah, c'est ça, d'accord. Okay. Donc, dans ces carrés-là, tu peux que planter des trucs géants, c'est ça? J'ai l'impression. C'est pas très clair. Non. Je pense pas, je sais pas. Allez, mange-toi la courge, Joséphine, là. Arrête d'être déprimée, salope. Fallait pas tromper son mari. Oh, merde, la fin. Putain. C'est dingue, ça. C'est grognasse, là, qui se plaignent. Attends, t'as fauté. Maintenant, l'autre, il va les suicider. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas l'enfermer dans un coin? Totalement. Ah bah là, c'est j'approuve. Parfait là. Viens là. Viens mon petit. Viens. Il s'appelle comment? Thomas. Oh bah, voilà. S'il avait eu un autre nom, peut-être que, mais là, non. Là, c'était obligé, hein, franchement. Moi aussi, je serais à la place de sa bonne femme. Pauvre mec. Voilà, donc du coup, verrouiller la porte pour tout le monde. Et il va rester bien gentiment là-dedans. Mais fais quoi, elle? Tu restes là comme une connasse. Et attends, bois le lait. Bois le lait, t'es allergique. Bois tout! Bois tout! Mais s'en bat les couilles. C'est nul! Elle n'est pas allergique au lactose? Intolérante au lactose. Elle a la chiasse! Elle a la chiasse! Et c'est tout? Oh, Borba!
Je crois que je suis partie pour les tuer, en fait. Excusez-moi. Mamie, elle est partie. Je suis pas partie, c'est juste que ma touche mute était nécessaire pour faire un code et que j'ai oublié que ça me mutait. Voilà. D'accord. Mais c'est nul. Allez, bois tout. Aval, salope. Pardon. En fait, non. Tu veux la tuer, tu veux provoquer un choc. Mais je sais pas si on peut mourir comme ça. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, c'est mis intolérance au lactose. Pour moi, on peut en mourir. Ça fait quoi? Ces Sims seront malades s'ils mangent des produits laitiers, mais se sentiront incroyablement bien s'ils en évitent un certain temps. Ouais. Donc, en fait, ça va juste la foutre mal. C'est un peu nul. Bon, bah, c'est encore de la merde. Par contre, la ferme est très jolie. C'est vrai que la ferme est très belle. Mmh. Très, très mignonne, je trouve. Mmh. Petit lac, petit truc, petit machin, c'est très sympa. Mmh. Mais enfin. On peut toujours virer la famille et habiter dedans, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Par contre, le papier peint... Non, 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 non. Oh bah si, attends. Non, 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 non. Non, faut pas abuser du bilboquet quand même. Hein. Oh là. Dégueulasse. Dégueulasse. J'aime bien, la maison est grande et tout, les espaces sont sympas, j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup la disposition, tout ça et tout, j'aime bien. Mais va aux toilettes, Jean Augustin, mais toi aussi, espèce de conne. Oh là là. Encore me dire que je sais pas jouer. Aux chiottes. Bonjour Mev, bienvenue à toi. De quoi? Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Je dis, il y a peut-être embouteillage, j'en sais rien. Il n'y a pas embouteillage, il reste planté comme des piquets dehors. Oui, mais est-ce que t'as activé l'autonomie? Bah non, c'est de la merde. Bah oui, mais sauf que maintenant, et vraiment, quand il n'y a plus d'autonomie, ils font vraiment rien d'eux-mêmes. Ouais, je sais. Ils restent plantés là. Laisse-moi râler. D'accord, je te laisse râler. Tiens, va ramasser les œufs, toi. Bisous, Ella. Ella, c'est parti en couille. Bonne soirée. J'ai bisous. Besoin, moi. Je vais arrêter là parce que c'est parti. Mes cordes vocales sont actuellement décédées. Veuillez laisser un message après les bips sonores. Bref. Écoutez, je vais me réorganiser pour quand même vous faire des lives de temps en temps avec Lulabi. Parce que j'aime cette famille. Je vais sauvegarder et je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé dans Lulabi. Si vous voulez, est-ce que vous voulez? Parce que si vous voulez pas, on va pas se casser les couilles. Hein. Fais un sondage. Oui, fais un sondage, je t'en prie. Mais le fais pas trop long. Hein. Quoi? Le fais pas trop long. Non, non, je vais le mettre plus court. Oui, c'est sur YouTube, Oscar. Nous sommes en multi-stream, n'est-ce pas? Alors, le petit jingle pendant qu'on se touche. Les Sims 4! Oui, c'est vraiment de la merde, de la merde! Oui, c'est vraiment de la merde, les Sims 4! Voilà. Je vote oui, avec Choune et Grégoire. Oui, ils vont très bien. Alors, vous pouvez voter sur Twitch, les enfants. Je vous en prie. Voulez-vous un petit récap, Lulabi, avant la fin de ce live? Je vais vous trouver un petit peu des petites musiques sympas. Le temps de... Hop. Bon, ce sera en boucle, mais bon. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Hop, on va mettre moins fort, ça va nous péter les oreilles. Hop là. Voilà. Votez oui ou je vous frappe. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le Twitch, c'est quand même bien plus sympa. Après, si vous avez une co moyenne, n'allez pas sur le Twitch parce que
On peut pas régler, c'est bien plus gourmand. Ouais. Bah, surtout qu'on peut pas régler, en fait. C'est chiant. C'est ça. Cocorico. Oh, putain. Oh là là, c'est quoi tout ça? Je n'avais point vu. Aïe, aïe. Il n'y en a plus pour très longtemps, j'ai mis juste 2 minutes. Alors, attends Manu. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrivais pas à mettre ton truc. Est-ce que tu as bien mis les tirets entre les chiffres? Est-ce qu'elle est toujours là Manu? Je sais pas. Bisous mon petit Pierre, merde à toi pour demain. Merde à toi. C'est le oui qui a gagné. Très bien, alors nous allons faire un petit récap. Juste avant, je réponds à Manu puisqu'elle a un petit souci avec son installation. Genre... Bien sûr, bien sûr. Fais donc ça. Quand le live sera fini, mamie, elle ira boire. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Je suis assoiffée. Mais va chercher le bonheur, mamie. Non, je vais pas chercher bonheur. J'attends la fin du live. Mais vas-y. Non. Mais vas-y. Non. Mais vas-y. Non. Mais vas-y. J'ai dit non. Ça suffit. D'accord. Bon alors. Le récap de Lulabi. Lulabi, bon, la tèche, mais Lulabi vit toujours au manoir avec Louis, son très cher et tendre époux, n'est-ce pas? Je vais la remettre avec eux, je la renlèverai après. Oh non, bug pas! On est où là? New Christ. New Christ. New Christ! Donc, Lulabi vit toujours avec son petit Louis et puis Gunther. Attends, excuse-moi, je trouve que Max a raison. Tu as oublié le précédemment dans Lulabi. Pardon. Précédemment dans Lulabi's Life. Ça va mieux? Oui. Très bien. Donc, je disais, Lulabi habite toujours dans le manoir que David m'avait fait à New Christ avec son époux Louis. J'allais dire Pierre, mais non, c'est Louis. Avec Louis 21 de Paris, n'est-ce pas? Et le chien Gunther. Et puis Victoria, qui est devenue une jolie adolescente, n'est-ce pas? Ensuite, ouais. Du côté de ses plus grands enfants, c'est-à-dire les jumeaux Siana et Grégoire. Siana habite ici avec son époux, le vampire, le prince Evenel de Combac. Ils ont 2 filles, Céleste, la plus grande, qui est devenue enfant. Quoi? Et Elisabeth, qui est devenue... Non, ils en ont 3, ils ont le bébé. Mais 2 secondes, qui est devenue ado. Putain, je m'en fous. Bambin, voilà, tu m'as embrouillé. Le chien Tartino, et elles ont eu des jumelles. Ils ont eu, pardon, des jumelles, je sais plus leur nom. J'ai un trou. C'est quoi leur nom? Comment ils... C'est quoi leur nom des jumelles? Bah, ils étaient pas là, ils peuvent pas savoir. Je crois qu'il y avait Éléonore et... je sais plus. On va voir ça. C'est quoi votre nom? Éléonore et Valentine, voilà. Ok. Ensuite, le... Excusez-moi, on va voir Grégoire qui habite au Mont Komo Rebi. Rebi. Avec Shun Takashi, et ils ont adopté la petite Kaena et le chien peluche, et tout le monde va très bien dans les meilleurs des mondes. Oh, ils sont très 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 choux, franchement. La gamine est tellement mignonne, regardez cette petite bouille. Je la kiffe, et le chien aussi est trop mignon aussi. Voilà. Bref, ils sont tous beaux. Shun est acteur et Grégoire est prof. Alors, chaque fois que tu dis Shun, ça me choque, hein. Désolé. Bah, je sais pas comment on prononce Shun, Shen.
Ce qui, comment on prononce? Je sais pas. Chon. On te l'avait déjà dit, mais t'aimais pas. Je me rappelle pas. Ça se prononce Sean. Ah bah, Sean, pardon, excusez-moi. Sean et Hector et Grégoire, prof d'école. Et sinon, pour Siana, elle est femme au foyer. Et le prince, je sais plus ce qu'il fait, il est dans les affaires. Oh, on s'en fout un peu. Il est riche, quoi. Ouais, il est riche. Il voilà. Est riche. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Sinon, le troisième enfant de Lulabi, Lucien, s'est marié avec Moonlight, la fille de Talia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Talia. C'était l'une des premières amies de Lulabi, qui était sa voisine. Donc, ils ont emménagé ici, voilà, juste à côté, de moments, hein, au cas où, parce que bon... donc, Lucien et Moonlight, tranquille, avec, ils ont deux chats, Lady Oscar et Misty Doo, et un chaton Valcor de la Lune, qui vont filer prochainement à Victoria, voilà. Et ils ont un baby, qui s'appelle Arthur. Oh, vous n'avez pas de chaton? Si, mais je les ai donnés. Les autres. Ah, t'as donné les autres, d'accord. Oui, ils en ont eu 6 des chatons, je crois. Ouais, mais tout ce que c'était marrant, la première portée, là, les clones des parents. Mais t'es gentil, version japonais, je parle pas japonais, moi, donc... J'en sais rien, comment ça se prononce. J'ai une gueule de japonais qui parle japonais. Bah non. Déjà, je sais pas parler français, alors... Faut pas trop m'en demander. Ah si, tu parles très bien le français, qu'est-ce que tu racontes? Lulabi, je vous rappelle, a eu deux autres jumeaux, les vampires Gabriel et Suzy. Eux, pour le moment, ils sont à Bridgechester. Shun, je kiffe. Ok, bah Shun, voilà. Ils sont ici. Alors, je vous explique. Donc, ce sont deux vampires. Ils ont fini l'aspiration des vampires. Enfin, ils sont doués, quoi. Ils sont adultes. Ils viennent de passer adultes. Ils ont fait leurs études dans plusieurs trucs. Je saurais pas vous dire. Mais en gros, ce qui se passe actuellement, c'est que Gabrielle est auteur de best-seller. Suzy est en train de bosser pour être actrice. Et comme vous pouvez le constater, il y a 3 greluches avec eux. Alors, la greluche ici... Frénégonde, un train de retard, qui est l'une des filles de Braise et Oscar, est en couple avec Suzy et veut être... Enfin, j'ai mis peintre extraordinaire, mais elle est décoratrice d'intérieur parce que j'avais envie de tester ce truc. Et quand je l'ai testé, ça a bugué. Voilà. Bon, pourquoi pas. Donc elles sont en couple, tout va bien. Et Gabriel, lui, bah écoutez, il se refuse rien, il a juste 2 copines, hein, voilà, ils font un trouple bien sympathique. Donc Clara Schmidt, qui avait été fait par Miski, d'une famille un peu paysanne, machin, elle veut être génie de la musique. Et puis, celle-ci, Cartel, la fille d'Elancia, qui veut être grand chef cuistot. Est-ce que c'est étonnant de la part de l'enfant d'Elancia? Non. Non. Frénégonde, c'est quoi ce prénom de merde? Mais Brest, tu t'en rappelles pas? Je te signale que t'avais Cunégonde, Frénégonde et Martin. On se rappelle même pas de ses enfants, quoi. Honteux. Honteux. Ouais, honteux, ouais. Et, écoutez, donc... Je l'avais choisi, t'étais d'accord. Mais Braise a un trou de mémoire, là, tu vois. elles sont toutes les deux avec Gabriel, et il n'y a pas de jalousie ni rien. En fait, ils font un trouble, hein, voilà. J'en ai marre des Sims, K2, mariés, machin. Donc, du coup, j'ai dit, allez hop, eux, ils seront à 3. Et si vous n'êtes pas contents, c'est pareil. Voilà. Martin, c'est le plus beau. Brest, tu me déçois. Ah, c'est honteux. Honteux. Mère indigne. Mère indigne. Vive les P3. Non, mais c'est vrai. C'est pas juste une histoire de baise à 3. C'est vraiment un couple à 3, quoi. Voilà. Bref. Et pour Victoria, bah pour le moment, elle est ado et elle est en couple avec l'enfant du dieu cheval, Zéphyr. Je sais pas si vous vous souvenez de Zéphyr qui était né tout seul. Qui a pas de... Oui.
qui a pas de père, qui a juste une mère. Voilà, il est où d'ailleurs? Il est où avec sa mère là? Je sais plus. Je sais plus où ils sont. Ah, ils sont là. Donc voilà, sa mère c'est Lucette. Et Zéphyr qui est quand même assez mignon, hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est beau. Voilà, donc l'enfant du dieu cheval finira avec Victoria. Gloire au dieu cheval. Évidemment. Et sinon, il y a quand même... Gloire au dieu cheval. Il y a quand même des nouvelles un peu tristes. Évidemment. Parce que je me suis dit que les Sims, même si dans ma partie, ils sont immortels... Bah, au bout d'un moment, faut quand même qu'ils arrêtent d'être immortels. Donc, les parents d'Ileas nous ont quittés. Et oui, c'est la dure vie, les gars. Les pauvres, ils ont bien vécu quand même. Mais vous comprenez, bien là. Bien dit. Merci. C'est pour ça qu'on les voit plus suivus là. Je veux dire, c'est pour ça qu'on les voit plus. Merci Smell, bienvenue à toi. Smell my finger, ça veut pas dire sans mon doigt ça. Mais c'est génial, c'est horriblement nul, j'adore. Bienvenue du coup. Si si. Donc voilà, les parents d'Ileas sont décédés. Quant à Ileas, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que ça vous intéresse? Laissons-le tranquille, il a l'air bien là où il est. Il n'est pas obligé, si. Alors, il est toujours avec sa trougne. Ils ont eu la petite Lulabi et ils ont eu un autre moufoulé, je crois qu'il s'appelle Alexandra, je sais plus. Elle vient de naître. C'est pas Lulabelle. Si je pourrais la renommer Lulabelle parce qu'elle est née, tu sais, quand je jouais pas avec, donc je la renommerai Lulabelle, y a pas de problème. Mais ce qui est très drôle, c'est que ce cher Ileas, je sais pas si vous avez suivi un petit peu le récap que je fais à l'écrit là, mais Ileas a tenté de draguer Louis. Oui. C'était très drôle. Il a appelé pour dire « Louis, tu es mon âme sœur, sortons ensemble, plaquons tout. » Et Louis a dit « Tout à fait, non. » Non. Non. En fait, non. Voilà. Vous voyez l'ampleur du problème avec cet homme. Ah, putain. Quelle merde. Sinon, au niveau des trucs, bah, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Voilà, eux, c'est la famille de Clara, pardon, qui est ici. Braise, Oscar. Il y a Katia. Je l'ai enfin fait vieillir. Je me suis dit qu'il était temps. Et la grand-mère est morte. Hein. Je suis désolée, Simette, mais... La mère de Katia. Il le fallait. Ou la mère de Bertrand, je sais pas trop... Voilà. Mais ne t'inquiète pas, ils sont partis dans un monde meilleur. Tout avec fait. Les parents d'Ileas. Oui. Et maintenant, ils peuvent enfin espionner comme ils veulent. Le père de Lucien aussi a vieilli, hein, avec son mec. Pardon. Excusez-moi. Je peux ne plus être avec Aurélien, bien sûr. D'ailleurs, Kiki, je crois que vos jumeaux... Bon, là, je leur ai mis une coupe différente. Mais je crois que vos jumeaux sont des vrais jumeaux. Voilà, c'était juste l'anecdote. Et c'est très rare dans les Sims, hein, les vrais jumeaux, donc oui. Tu peux être fière. Nana et Suki, elles sont toujours ensemble. Mais tu veux être avec qui, Kylian, tout seul? Après, moi, je m'en fous en soi. Hein. Et sinon, j'ai fait des petits couples à droite, à gauche, comme ça. De vos enfants avec... Bien sûr que avec, si, Suki. Il faudra bien que je parte à un moment ou à un autre. Non, toi, t'es immortel. D'accord, mais... Voilà. Okay. À pas nous faire chier celle-là. Okay. En plus, je crois que vous voulez marier une de vos filles avec Miss, avec mon Léane. Oui, tout à fait. C'est super glauque. Et ton fils avec Max, mamie, il a épousé ma fille. Voilà. Bob, il est avec ma fille. Ah, et puis Germaine et Odette, donc la fille de Braise et Oscar, et la fille de mamie.
et Cucu, je crois, sont ensemble. Voilà. Sinon, il y a quoi d'autre? Attends, la fille de Cucu? La fille de toi et Cucu est avec la fille de Braise et Oscar. Ah bah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Elles sont trop belles en plus. Elles sont trop mignonnes. Oui. Ah ben, vous voulez que je foute Kiki avec Pierre et toi, Max? Y a pas de problème. Hein. Un autre trouble, moi je m'en bats les couilles en vrai. Y a pas de problème. Hein. Par contre, ça dégage. Voilà, merci, au revoir. Hein. Mais non, mais casse-toi. Comment on fait pour l'enlever du... Ah, il faut que je clique là. Voilà. On va jouer au petit soldat 3. mais oui, Max, tout à fait. Vous allez jouer au petit soldat. Et... Il faudra se mettre au garde à vous. Mamie, stop. J'allais pas développer. Vous m'avez développé dans le chat, maintenant je ne te remercie pas. Lui, c'est l'un des enfants d'Ilea, c'est la trougne, l'un des jumeaux. Et elle, c'était l'une des filles de Jessica. Et du coup, bah, ils sont ensemble, puis ils ont un baby. Voilà. Et le frère, le jumeau, il est où ce con? Il est avec un mec, mais je sais plus où. Il est où? Il y a trop de Sims. Il y a trop de Sims, et encore je fais du tri à chaque fois. Hein. Bah, il est où? Ah oui, et Kevin et Marie, ils ont eu des triplés. Voilà. C'est qui ça, Kevin et Marie? Ah oui! Mamie. Non! Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Oui, fais comme si t'avais pas entendu. Ah, voilà, le fils d'Iléa, c'est Loïs, et avec Jackie, Simette, ton fils. L'un de tes fils. Salut à tous, c'est Kevin. Le pauvre Kevin avec trois chiards, quoi. J'ai vu les triplés, j'ai fait... Ah oh, oh, tu m'étonnes, moi je veux voir leur gueule, surtout. Bah, c'est des bébés pour le moment, hein. C'est pas... Ah bah, ça va bien grandir, ça. Voilà, on a fait un peu le tour. Écoutez, moi je vais voir Lulabi avec sa robe citron là, c'est tellement beau. Et on fait... D'ailleurs, ça me faisait penser que quand ils ont testé là le, tu sais les espèces de collants là, les bas là qu'on aime bien, mais qui, il paraît que la texture était pas terrible. Je me demande s'ils ont réglé le problème entre temps. Parce que... La texture de quoi? Des bas. Ça faisait un effet métallisé quand ils les ont essayés, ça. Ça, j'avais vu parce qu'ils se sont tous plaints de ça. Les bas. Ouais, les bas qui étaient dans le casse. Ah, les trucs jolis, mais avec les fleurs, c'est moche. Ouais. Ouais, bah... Ouais. Notre petit Kevin est devenu si grand. Eh oui. Il a trois enfants qui vont le faire chier pendant qu'il est sur l'ordi. Si, t'avais un enfant avec Nana. Tu l'as toujours, d'ailleurs. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, par contre. Je sais même pas si c'est un gars ou une fille. Je sais plus. Je ne sais plus. Peut-être les deux. Peut-être. Ça rame, là. Un petit peu. Allez. Bon, c'est normal. J'ai le stream, multi-stream, machin. Ah, ça y est. Ça va... va bouger. Allez, voilà. Comme ça, en plus, je peux vous montrer petite Victoria. Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ton frère? Que je trouve trop cute. Voilà. Elle préfère peut-être la chambre de son frère. Puis il est même pas là. Elle peut être où elle veut. Mais c'est pas sa chambre. Elle a son PC et tout. J'ai un peu changé d'ailleurs la maison. Ici, j'ai un peu agrandi la cuisine. J'ai réduit la buanderie parce que la machine à laver laguait tout le temps. Donc, ça buguait, ça marchait pas. Donc, je l'étais. J'ai fait des chiottes à la place. Des chiottes séparées parce que mamie, voilà.
Et là, j'ai fait une réserve. Ici, j'ai fait une douche. Et voilà, j'ai agrandi la salle à manger, machin, et voilà. J'aime ton explication. Je fais des choses pareil parce que... Mamie. Ah oui, Victoria est bien fournie. En fait, si tu veux, quand elle était petite, j'ai remarqué qu'elle était grosse. Et je me suis dit, est-ce que je la fais maigrir? Et puis après, j'ai fait, oh, puis la flemme, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, elle est belle, donc bah les couilles, voilà. Bon, t'assieds pas, on veut juste te reluquer. Mets ta tenue normale. Ça lag. Je pense que ça se voit. Voilà. Regardez cette paire de nibards. Et à côté, t'as Heidi, quoi, j'en peux plus. Lulabi en Heidi, ça va pas du tout, quoi. Voilà, et je lui ai mis des lunettes parce que j'en fais pas souvent. Bonne nuit Samantha, merci beaucoup d'être passée. J'espère que ça t'a plu. Bonne nuit. Gros bisous. Donc voilà. Victoria. Putain, ça lag. Oh là là. J'espère qu'elle a de magnifiques têtes. Oh, merci Chiro. Ah, Chiro, bienvenue. Oui, ça fait un moment qu'il est là. Je t'avais même pas vu, mon pauvre Chiro. Tu vas bien? et voilà, et si vous voulez tout savoir, Louis et Lulabi baissent tous les soirs. Voilà, je sais que c'était important de le dire. C'était important. Bah, c'est important. Il y a un bon entretien des conduits, c'est bien. Sur ce, les enfants, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Mamie, t'en penses quoi du casse et du machin, là? Du mode construit? Écoute, le casse, ça passe à mes yeux. Ça casse pas des briques, mais il y a des trucs vraiment sympas que j'ai beaucoup appréciés. En ce qui concerne le mode construction, il y a beaucoup d'objets que j'aime, que j'adore même, que je pense pas mal utiliser. Malheureusement, je le trouve peu fourni par rapport à un pack à 40 boules. Après, bon, bah, chacun voit midi à sa porte, mais je trouve que c'est peu conduit. Enfin, peu fourni. Pardon, excusez-moi, j'ai lu conduit, j'ai mélangé. Voilà. T'inquiète. Et en ce qui concerne le gameplay, bon, t'as pas eu trop l'occasion de tester. Moi, c'est ce que j'ai regardé, par contre, sur les autres streams. J'en ai vu pas mal. Je sais qu'il y a des choses qui sont intéressantes à développer. Moi, j'ai très envie de tester les concours. Ça a l'air quand même sympa, au moins à faire une fois, parce que bon, je pense pas que j'irai tous les midis, mais... Le concours, moi, ça m'a pas spécialement intéressé. Après, bon, je vais vous laisser découvrir tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est les confitures, les trucs que tu peux faire toi-même comme ça. Voilà. La broderie à tester aussi. Voilà, et je trouve que si tu veux faire un petit magasin de confitures, je trouve ça assez sympa. Ah, ça peut être intéressant, ça, ouais. Voilà, voilà. Juste avant de partir, parce que vous êtes sage et que je vous aime bien, je vous montre la maison sur laquelle je travaille en ce moment. Ouais, si ça arrête de laguer. Ok, je crois que mon PC est en souffrance là. Il est en mode... Arrête le stream. Laisse-moi tranquille. Il fait 23 degrés. Même plus que ça, il fait 30 degrés. J'ai chaud, laisse-moi. Ah, c'est bon, il remarche. Donc je travaille actuellement sur cette maison. J'en ai chié les gars pour les toits. J'essaie de sortir de ma zone de confort, de faire quelque chose que je fais pas d'habitude. Moi, je suis très fière. Voilà. Oui, c'est la maison de Violette et de Ferdil. Personnage de JDR passionnant. Voilà. Bon, bah, c'est pas du tout fini parce que j'attendais justement d'avoir le nouveau pack. Vu que c'est des trucs un peu rustiques et qu'il faut quand même un truc un peu... rustique. Voilà. Merci beaucoup. Sur ce, les enfants, j'espère que ce petit live vous aura plu. Abonnez-vous, mettez la cloche. En fait, j'en ai rien à foutre. N'hésitez pas à repasser quand je re-liverai. Je ne sais pas quand, par contre. En fait, cette semaine, ça risque d'être un peu tendu. Je devrais essayer de faire des lives un peu plus réguliers, mais je suis un peu occupée. Sur ce, eh bien,
bonne nuit, bonne soirée, sortez couverts, vaccinez-vous, mettez des capotes et faites-vous la bise de loin. Mamie, un dernier mot ? Non. D'accord. Allez, salut ! Bonne nuit, bisous !